qu'on compte organiser un plus important. Quoi? Oui, avec Jesse, on compte organiser la suite de l'action, donc désolé pour votre événement de merde. Non, mais là, comment ça se fait? Alors, monsieur, il y a des gens qui souhaitent entretenir leur corps de rêve pour le site d'action, monsieur. Vous auriez trop tard. Un moment. Je m'en fous, blablabla. Bah, je m'en fous, moi je vais l'ouvrir la salle. Voilà, que ça content ou pas content, on s'en fout, garçon, t'as compris? Parce que j'ai la police, ils vont fermer, ils vont fermer. Appelle la police, appelle. Ils vont arriver. Ils vont rien faire. Voilà. Mais pourquoi tu préviens pas à l'avance? Pourquoi? Je rigole. Vos têtes de con là. Tu peux t'étrangler pour rigoler. Ça, c'est un peu le dépressif. Tu comptes te faire écraser? Merci, Mehdi. Merci, Viperès. Connard, va. Bon, venez, ça va, Moussi? Attends, je dois aller. Arrête de dire Titoff là, si c'est. Je trouve que t'as une grande gueule pour un gamin. Ça va, Titoff? Merde. Ça va, lui. Et Titoff, tu comptes dire à tout le monde que t'as acheté des fours muscles? Mais dis pas, c'est pas Titoff! Ah, si, c'est Titoff. Il est bizarre, lui. Oh putain! Bon, Missy? Ouais, Lizzie de la cahier. Ouais, c'est moi. Et bah. Ouais. Attends, ah oui. Je me suis fait arrêter, je me suis fait taser. Laissez la cahier, laissez la cahier, laissez la cahier. La rue, la rue, la rue, la rue. Laissez la cahier, clic, bang. Laissez la cahier, bra, pao. Laissez la cahier, nous on a des problèmes, mais regarde elle. Mon dernier Zouké la petite, Zouké la petite, décoller la petite. Elle a vraiment un problème mental là. Là tu vois, je t'ai zoukré comme ça là, je t'ai désarticulé. Vas-y, je suis là, j'arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, t'es trop belle avec tes cheveux rouges là. On a juste envie de t'attacher à un arbre et de te laisser pendu. C'est trop gentil, espèce de fils d'épite. Mais c'est pas gentil de dire ça. Salut David. Ok, pousse-toi Kira, je suis la lumière. Par contre, il a une belle vue sur sur ce fameux coin. Mais non, la trappe. Il n'y a pas matière là-dessus. Viens ici, viens ici. Oh, elle frappe des inconnus. Il est où? Monsieur la muscu, venez nous aider. Viens, on va se changer, on va se mettre en tenue de sport. Il faut que je te parle. Ah ouais, j'ai oublié. Bon, avant toute chose, tu me promets que ce que je veux te dire, ça va rester confidentiel. Ouais, dis-moi. Ultra, ultra confidentiel. Genre, personne doit le savoir. Ok? Dis-moi en plus. Et ben en fait, avec... Attends, je regarde s'il y a personne au magasin. Avec Titoff, on fait semblant. Ça va pas ou quoi? Ouais, c'est ça, je te crois pas. Je te promets qu'on fait semblant. On fait semblant pour que... Mais je vous ai vu vous embrasser. Ça va pas, c'est jamais embrasser de la vie. Si je t'ai vu. Non, en fait, c'est une idée de Titoff. Il m'a dit, viens, on fait semblant, comme ça les gens ils nous cassent plus les couilles. Du coup, ouais, j'ai dit oui. Ça, mais moi je vous ai vu. Mais je te promets que j'ai jamais embrassé. Oui, je vous ai vu. Bah, t'as rien vu alors, c'est pas moi que t'as vu. Hein. Parce que c'est impossible. Hop, c'est bon, je suis en tenue de sport. Ouais. Donc arrête de dire des bêtises et garde le secret, ok? C'est toi, arrête de dire des bêtises, je sais très bien que vous êtes ensemble. Mais putain, je te le dis à toi, tu me crois même pas, mais c'est une blague, il va lui-même te le dire. Ah bah ça justement, c'est ce que vous essayez de nous faire croire, vous êtes pas ensemble. Comme vous disiez au début, vous nous disiez que vous étiez pas ensemble. Mais on n'est pas ensemble. Ah, tu mens. Mais bordel de cul. Merci Mehdi. Non, je sais qu'il y a une queue derrière, mais arrête de parler des queues. Sur la tombe de mon oncle, que je suis pas en couple avec Titeuf. Ça va, là? Oh, mais ton nom, tu l'aimais pas, de toute façon. Je parle pas de ton clan. Bon, c'est trop dur de trouver un t-shirt pour faire du sport là-dedans.
putain, allez. La séance de sport elle sera finie d'ici là. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, on peut y aller. En parlant de Titeuf, il m'a appelé. Ah, les amours. Je vais te défoncer, James. Allô ? Tu devineras jamais la grosse blague. T'es où, putain, toi ? Je suis parti me changer. Mais oui, je suis avec James, du coup j'en ai profité pour lui dire. Il me croit pas, ce bâtard. C'est quoi ? Il dit, il a dit quoi? Ouais, je vous ai vous embrassé. Mais je dis, t'as craqué ou quoi? Attends, je suis là. Ah, dis-lui toi-même parce qu'il me croit pas, moi. Ah non, mais là, c'est... Je vais t'enculer. C'est la guerre, fils. Ah, je veux ce qu'il... Ah, tu me touches, je l'extermine. Ça a le mérite d'être clair. Je vais t'enculer, fils de pute. Voilà, enculé, voilà. Ta gueule sort, bâtard. Bon, enculé, va. Refais des trucs comme ça, je vais monter. Quitte là-bas, la cousin. J'ai un commerce, moi. J'ai un petit. Viens, bisous, moi, j'ai tué. Tu payes, alors. Y'a qui fait du sport? Ils vont faire là, eux deux. Les deux? Ouais. Petit, tu fais une séance, toi? C'est long! Merci encore, hein? Mehdi. Merci. C'est long ou pas? C'est long. Allez, 30 minutes, un truc comme ça. J'ai mal au genou. Ah, t'as mal. Des gens à l'intérieur, ils sont 10. Comme ça, ils sont 10. Ils sont pas 10, hein? Ouais, 2 peut-être. À l'intérieur. Ok. Il y en a deux là. Et vous les deux, vous faites du sport? Ah ouais. Ok, parfait. Vous en avez déjà fait chez nous ou pas? Non. Non. Alors je vous explique. La séance elle est à 100$. Mais à la fin de la séance, vous serez dans le bénéf vu que vous allez faire des cartes de sport pour l'État. Et en gros l'État va vous payer le nombre de cartes de sport que vous allez faire. Ok. Voilà. C'est compliqué à comprendre comme ça, mais vous verrez. Là, vous avez payé 100$ chacun, mais vous serez dans le bénéf à la fin de la séance. Okay. Et du coup, il faut rester jusqu'au bout pour être dans le bénéf. C'est parfait. Bah, tu peux rentrer. Madame, et faites confiance à ce Spider-Man. Oui. Allez, vas-y, rentre. Voilà. Là, il y a d'autres tions qui n'arrivent. Tenez. Ok, c'est parfait. Allez, tu peux rentrer. Nickel. Trévis. Pas oublié, frère. Ah bah c'est bon avec vos noms, Trévis, Dobby, Stone. Faut m'arrêter. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un individu. À l'aide. Ne le faites pas rentrer. Ne le faites pas rentrer. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du mal? Oui, il veut du mal. C'est qui ça? On a le droit de rentrer. Encore lui là. Il est sous ma responsabilité. Eh, laissez-le tranquille, c'est un enfant. Prends-le. Laissez-le tranquille, c'est un enfant. Laisse-le. C'est un enfant qui conduit des motos sans casque. Laissez-le tranquille. Et vous enlevez votre masque, vous, je vous embarque. Vous enlevez non, votre je travaille masque, ici. Non, je travaille c'est ici. Pour... C'est sa mascotte, c'est la mascotte. C'est quoi, c'est la mascotte? Oui, il fait la mascotte de sport. Mais monsieur, vous avez pas payé l'entrée pour faire le sport. C'est 100$, monsieur. C'est 100$, va vous forcer. Vous sortez, c'est un cours de sport, monsieur. Venez où on vous embarque. Mais c'est pas bientôt fini, monsieur. Mais putain de merde. Venez là, venez avec nous, vous. Qui, nous? Ah, vous allez pas recommencer, hein. Venez. Mais laissez-le tranquille, c'est la mascotte de la salle de sport. Vous avez pas vu qu'il avait des muscles? Mais comment ça, Maxé? Mais je suis dans mon enceinte, encore heureux que je fais ce que je veux. Je suis dans mon enceinte. Il est fou, quoi, lui. C'est la mascotte de la salle. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Ah, c'est une mascotte. Ouais, c'est la mascotte de la salle. C'est pour ça, monsieur. Et quand c'est moi qui vous le dis, vous me croyez pas, hein.
on dirait qu'on a des antécédents tous les deux. Criminel, vous. Oui, quoi, vous êtes criminel. Comment ça? Mais quoi? C'est vous le criminel? Vous m'avez palpé sans me demander mon avis. Ouais, alors c'est pas moi, c'est mon collègue. Est-ce que ouais, et ben c'est pareil, c'est la même salade de fruits. Sauvez s'il te plaît, tu le t'en reviens. Non mais oh, vous criminel aussi là. C'est vous le criminel. Palpateur de femmes. N'écoute pas, n'écoute pas. Allez, vous avez entravé mes droits. Criminel. Criminel toi-même. Culotté. Culotte toi-même. Mais comment ça je sors? Non mais oh. Pardon. Connard toi-même toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Je t'ai sauvé le cul encore. Hein. Bah ouais, de fou. Surtout que celui-là il est grave relou. C'était cadeau. Merci, merci. Faut changer la musique là, c'est pas supportable. Eh, va lui dire à lui là parce que. Oh, trop de balles. Spider-Man. Ah, Spider-Man, ouais, Spider-Man. Mais laissez la musique, c'est quoi le problème là? Ouais, bah t'entends les paroles? Oui, il aime bien pomper. Quoi? Oh, Spider-Man rappelle, j'écoute. C'est moi. Je vais imiter la dame parce que elle, elle est médecin, elle sait que c'est bien. Tu le tombes. Dra, bababababa. Attends, quoi? Attends, je m'emballe pas. Ah ouais, là, je suis... C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Watatata. Watatata. Putain, je sais pas ce qu'ils font depuis tout à l'heure, ça m'en fout. Tchon, 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 tant t'es mort, tant t'es mort. Ich, ich. Tchon, ich, ich, tchon, ich, ich, ich. Okay. Y'a un flic qui m'a traité de criminel. Bam, 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 bam. Comment ça? Comment il s'appelle avec les cheveux blancs? Celui avec les cheveux blancs, c'est un des deux qui m'avait chopé l'autre fois là. Quoi, t'as encore pécho un flic? Mais non, je l'ai pas pécho, qu'est-ce que tu racontes? Putain, 66, c'est quoi son matricule à lui? Non, elle parle pas de 66 ici, ok? Ah, toi aussi, tu veux t'entraîner, petit gars? Ouais, je m'entraîne pour taper les flics. Vas-y, vas-y. Je crois qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment enculé la séance. Y a pas que nous, aussi tes potes qui sont venus frapper ouais, à l'intérieur. Ouais, ils m'ont bien niqué la séance. Qui bah, ça ouais. Les flics? Ouais. Je rêve où y a quelqu'un qui t'a bu l'aveugle. Bon, mais ça va pas! Est-ce que vous faites du sport ou pas? Non, non, on fait pas de sport. Attends, on fait du sport là, mais... c'est. Mais. On fait du sport là, on faisait du sport là. Oh. Ouais, de ouf. Et du coup, tout le monde est parti là? Y'a que ça à l'intérieur, malheureusement. Putain, non, mais là, je suis cool. Dépité là, je suis dépité là. Je t'attends à la sortie. Parce que ça a foutu la merde là. Avec les battes ou moi? Non, avec les battes et la police. Ah regarde, y'a plus personne. Un sacré coup droit. Hein. C'est vrai ça. Tu sais pourquoi y'a personne? Mon micro s'est perdu, M1. Parce que vous êtes pas intéressant. Alors toi, viens par ici, mon petit gars. Non, viens, non, viens, 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 viens. C'est ce gamin là qu'on a défendu tout à l'heure là. Attends. Ouais, ouais, je l'ai bien défendu. C'était fondé, c'était fondé, c'était pour vous. C'était un conseil. Comment ça? Qu'est-ce que tu t'as dit là? Comment ça, un conseil? Écoute, je vais te n'apprendre la vie, moi. Va dans le ring, va dans le ring. Il vient de bord, je te déconseille. Ah ouais, je vais voir ça. Okay. Je vais t'enclencher. Ok, regarde, tu vois, mais qui t'a dit que je voulais me battre avec toi? Tu m'as même pas laissé parler, tu vois, lui là. Oui. Hein? Vas-y, Titeuf, défonce-le avec tes faux muscles. Tu comprends ou pas? Oui. Il bat toujours. Il vas-y, viens de battre. Merci, Lucas. Merci, ah, merci. Bon, tu l'auras voulu, hein. Attends, mais c'est Spider Titeuf là ou quoi? Oh. C'est Titeuf avec des faux muscles. Tiens, connard. Tiens, Titeuf, tu te fais démonter, wesh. Tiens, d'où ta marque? D'où ta marque? Oh, chaud! J'ai jamais été autant contente de voir Titeuf se défoncer! Tape, je sens rien! Tape, you! Ah, tu sais même pas taper droit! Ah! Ah! Défends ton, ton mec! C'est pas mon mec! Enfin, non! Aïe! De ta mort, moi! Mais bâtard! Je suis la troisième corde! Vas-y, défonce-le, gamin! Défonce-le! C'est le combat le plus long que j'ai vu de ma vie. Tiens. Il arrive pas à le toucher le con. Tiens. Un combat de con. Allez bam. Eh oui. C'est moi le plus fort ici. Ça, c'est fait.
Maliette, viens avec moi. Aïe. Voilà, petit con, reste avec... Oula. Oh, il a fait une clé de bras. Non, t'es où? T'es juste là. Wow. T'es... Bah t'es nul. Qu'est-ce que t'as tu... De catch. Oh. Vous me prenez à deux. Oh, oh non, mais dis pas pourtant, j'aimerais que ce soit la femme qui me prenne. Dis pas, t'as niqué mon... Allez, Ricky, sur le ring. T'as niqué mon identité secrète, non. Titeuf. Bon, attends, vite, Haru, Haru, bon, désolé, Naru, désolé, Naru. Arrête. Oh, quoi? Mais excuse-nous, frère. Mais t'as pris le poil. Non, je t'en veux pas, je t'en veux pas. Si c'est un viewer qui demande, ça va. Ah, oh, ça sent la bouffe chez moi, là, mais comme jamais. Ouais, c'est un peu ça. C'est, ouais. Petit œuf boit la tasse. Tes potes au début aussi. Non, mange non, ta non, merde. Regarde, regarde, les keufs, ils ont tout niqué. Après, j'ai les autres là, ils arrivent, ils merci, frappent. Ils merci, dans la salle. Merci, Skizzy. Ça casse les couilles, les gens ils partent. Bienvenue. Ça c'est avant les flics, ça, ce qui s'est passé. Non. Les autres ils sont venus. Non, les flics ils étaient déjà là. Hein. Ah ouais? Ouais, bah oui, depuis tout à l'heure les flics ils étaient là. Merde. Moi je dis, tu te reconvertis. Comment ça? Tu fais du striptease. C'était pute. Ça te réussira mieux. Prends. Personne va faire de striptease. Comment ça, elle a dit prendre? Excusez-moi, y'a qui Mais toi, t'es un donf, toi. Ah, toi, tu veux soulever des merdes. Quoi? Y'a qui a payé? Comment ça, prendre? Quoi? Qu'est-ce qu'il vous racontez, vous? Je dois taper dans un sac. Et je parle pas de Titeuf. Ça va, mon client préféré? Salut. Ça va, c'est Spooderman. Spooderman. Oui, c'est ça. Toi, t'es mon client préféré, toi, je reconnais. Oh, pas du tout, je viens d'arriver. Comment ça, Spider-Man? Spider-Man. Demain, on va en porter à demain, là. C'est le mec à Rudy. Ah ouais? Ouais, ça y est. Quoi? Ils gardent leur carte, les gens des. Comment ça, c'est mon mec? Je vais rembourser, je vais rembourser. Les gars, je vais vous rembourser. C'est quoi, tu sais quoi? Ils t'ont niqué ta soirée? En vrai de vrai, vas-y, garde tes sous. Garde tes sous, garde tes sous, garde tes sous. Si, si, en vrai de vrai, en vrai de vrai. Oh, toi, t'as payé, toi? Ouais, j'avais payé. Bah oui, je suis. Tiens, je te rembourse. Et qu'elle t'a demain. Pas de soucis, gros. Arrête de me pousser. Ça, ouais, allez, vas-y. Ouais. Bah alors. Moi tu gardes, t'inquiète. Bah, au pire, elle peut garder sa carte pour demain. Mais elle a pas sa carte de toute façon. Mais non, mais il garde l'entrée. Je me rappelle de son nom. Pour demain. Vas-y. Demain, on essaye de faire la séance et. Oh, je sais pas. Ah oui, ça c'est des trucs, j'aime pas. Ça casse les couilles, ouais, bah ça casse les couilles. Ça c'est des trucs, je déteste. Non, moi ça me casse les couilles. Hein. Ich. Même l'autre là, elle m'a cassé les couilles. La tête, écoute, je vais dire une dinguerie, mais la tête d'homme, dans 20 minutes, il y a des gens, ils vont dire, oh, y'a rien à faire. C'était pas une dinguerie, hein, c'était vrai. Oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est ça le gros. Ouais, dans le bébé. Bande de chiens, va. Ouais, bonne douche. Les gars, vous avez baisé ma séance, hein, les frères. Pourquoi? Plus vous, les keufs, plus vous, les gars, ça a niqué ma séance. Commence à faire du sport, là, vas-y. Non, sérieusement, tu crois que je rigole? Je rigole pas, quoi. Mais ouais, mais si les gens aussi, ils sont pas... Ouais, mais tu vois, les gens, ils ont pas tous la même humour, tu vois. Quoi que je fais? Mais vas-y, tranquille. Vas-y, les gars, vas-y, je vais fermer la salle, les frères. Vas-y, t'inquiète. Ouais, j'ai fermé. Vas-y, demain j'essaie d'en faire une. Vas-y, ça marche. Je t'ai déterré. Désolé, en tout cas. Ouais, désolé. T'inquiète, c'est pour toi, putain, c'est chiant. On revient, on sort. Ça casse les couilles, c'est vrai. Attends. Mais bon. Oui, ça me casse les couilles au plus haut point. Bon. Non, t'as rien manqué, en vrai. Salut. Je vais sortir de la salle du sport. Non, moi, je dois sortir de guisement, moi. Non, mais c'est bon, c'est qui? Va là-bas, toi, va là-bas. Bon, pourquoi tu te ramènes ton cul, Titeuf? Mais qui ça? Il est où, Titeuf? Ah, il me saoule avec ses faux muscles, lui, là. Non, mais qu'est-ce qu'un baragouille, lui? Un fils de pute.
Oh, incroyable. Putain, soirée porte ouverte. Oh, pas mal, pas mal. Non, oh, pas mal. Elle a dit quoi? Elle a dit soirée porte ouverte. Ah, c'est vrai. Non, pas mal. T'as un motif, toi, dans ta tête. Quoi? T'as de l'inspi, t'as de l'inspi. Eh, hey, mais va lui dire, putain de merde, que c'est la vérité ce que je lui dis, parce qu'il me croit toujours pas. Mais bien sûr que c'est la vérité. Toi, on doit avoir une discussion, ok, petit con? Ah! Bon bah on l'aura après la discussion, ok? On l'aura après. Tu vois, ça, c'est ça qui le gros le fils d'enculé qui avait ça? Tiens, merci Jésus. En plus je faisais grave la meuf. Tu vois, moi tu me parles pas sur ce ton. Attends, du coup je disais, je remonte sur une voiture. Écoute-moi bien, bâtard, on va avoir une discussion. Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain! On se rejoint au truc là, ou je sais plus quoi. Ou quoi? Au garage. Ouais, vas-y, viens au garage, tu veux. Vas-y, à tes souhaits. Vas-y. Oh, petit con! Oh, petite conne. Tu me crois maintenant, c'est bon? De quoi? Bah, que c'était. C'est faux, quoi. Ah, mais je sais que vous êtes ensemble, hein. Oh, petit teuf! Oh, les potos, mais la tête d'homme, elle est, je suis pas avec elle, t'as vu sa tête de rat? Mais ferme ta gueule, t'as vu ta tête vu de la cake tienne. Oh merci. Alors, mais c'est deux rats ensemble. Mais... Enculé, voilà. Bon, est-ce que vous venez ou pas? Je vais... ça, tu vas où? Je sport, là, je suis... Ah, où ça? Ah oui, mais c'est vrai, vous connaissez pas. Suivez-moi. Vas-y. Mais attends, c'est au Carzone, je connais. Oui, partez en... oui, voilà, Carzone. C'est là-bas qu'il a modifié ma voiture. Oui, monte ou je te monte. Ah, je crois qu'elle veut te démonter, Titeuf. Je parlais à toi, bâtard. Ah, c'est beau, l'amour. Eh, Cham, si tu continues cette merde, je vais t'enculer ta race, ok? Je vais commencer à imprimer les faire-part pour le mariage. Nique ta race. J'ai déjà trouvé un prêtre. T'inquiète pas. J'ai trouvé un gynécologue juif. Tout sera caché, ouais. T'inquiète pas. Tu vas où, là? Quoi que nique, je reste habillé comme ça, je m'en bats les couilles. Oh, la voiture, elle a calé, je suis mort. Comme le Nord. Pas de calé. Non, mais je voulais pas souligner la blague. Si j'ai pas rigolé, c'est que vraiment c'était critique, tu vois. Attends. Allô, papa? Tu tombes bien. Ah, allô, je viens de récupérer la dot. Parle un peu plus fort, papa, je t'entends pas. Tu es où? Oh, papa. On va à un truc de voiture. C'est quoi le truc de voiture? Carzone. On va au Carzone. T'es avec qui? Je suis avec James. On rejoint Titeuf. Vas-y. Il arrive. Ah, mais c'est beau, l'amour, franchement. Ta gueule! Ça tombe dessus quand tu t'y attends pas et tout. Mais ferme-la! Tu vois, je t'avais dit que tu passerais à autre chose. Je suis pas... C'est Liberty après tout. Dans tous les cas, je suis passé à autre chose, mais dans tous les cas, je suis pas avec Titeuf. Salut, Alex. Ah, ouais. Ah, mais c'est demain qu'il faut les faire, les blagues de Poisson d'Avril. Et du coup, comme t'es passé à autre chose, t'es passé à quelqu'un d'autre. Non, je suis pas passé à Titeuf. Et puis pourquoi tout le monde croit qu'on est ensemble? Je comprends rien. En soi, on passe notre vie à s'insulter. Bah, c'est ça l'amour. Non. Bah, si. N'importe quoi. T'inquiète. La carrosserie, c'est 260. 260? Ouais. Mais c'est le ce que tu me payes. Pour la soirée de salle de sport. Même un peu plus. Oh bordel, c'est chiant. Allô? Ouais. Les gars, je vais faire une voiture de 500, vous allez être choqués. Ouais. Je trouve ma voiture, elle est plus stylée quand même. Hein. Oui, mais attends. Ouais, c'est l'investisseur, je sais pas quoi là. Enfin, l'assurance, je sais pas quoi là. Pas c'est quoi ton bois, bien moi? Ouais, c'est ça que t'as acheté, là. Il verra directement que Domino. Oui, c'est ça que j'ai acheté.
C'est bof, hein. Pour bah, il faut qu'il voit le domino. Moi, je vais pas pouvoir trop l'aider, tu vois. Vas-y, vas-y, mon gars. Y'a mon père qui arrive. Acheter ça combien, quoi? Il veut quoi, ton père? Je sais pas. Viens chercher la dot. Non. Oh, il me fait chier avec sa dot de merde. Je vais pas marier. C'est pas vrai. Je vais pas comprendre. Ah, c'est juste pour un plan d'un soir en plus. Putain, je me... Comment je vais lui dire? Oh, mais n'importe quoi, mais... Mais ta gueule! J'ai appelé mon nom. Bah vas-y, dis-lui, bah vas-y, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Que je m'en bats la couille. James, fais pas ça. Fais pas ça. Ouais. Tu arrêtes. Oh, putain. Ah, coucou, Ninjax. J'ai hâte que mon bijou soit terminé, là. J'ai déjà en tête ce que je veux. De faire quoi? Une crête? Mais non! Oh, ta mère. Oh, t'es trop relou, toi. C'est toi, t'es relou. Trop relou, trop relou. C'est toi, t'es relou. Trop relou, trop relou. Ta gueule. Toi, ta goule. Toi, ta gueule. Toi, ta goule. Toi, ta gueule. Ton pantalon de Marapuntas, là. J'ai rien à dire, hein. Tu portes la même tenue depuis 6 jours. Salut, papa. Quoi? Alors, ce que là, James, il t'a dit, c'était connerie. C'est faux. Petit teuf. Non, mais lui, on lui dit quoi? On lui dit que je t'ai fait 3 gosses, on va le croire. Non, mais c'est pas vrai. C'est James, c'est triplé. Donne-moi 200. Non, mais je vais la custom aussi. Ah, tu veux la custom? Oui, bah oui, tu crois que je suis venu pour quoi? Tu veux faire quoi dessus? Alors, dessus, je voudrais changer les couleurs. Je suis une grande fille, papa. Des stickers. Et ouais, voilà. Comment ça, des stickers? Pourquoi t'as une voiture de décision? Bah oui. Pourquoi c'est une mauvaise décision alors que c'est toi qui voulais me marier avec lui? Je crois qu'il y en a pas, ouais, mais là, c'est... On m'a dit qu'il y en avait c'est grave. Bien, mais sinon, non. C'est grave en plus, on t'a dit. Ouais, putain, mais. Foutu de ta gueule, cousin. Attends, je vais essayer de trouver. Il t'a dit quoi, James? Non, attends, j'ai envie de pleurer. Ah, si, il y en a, je crois. Alors, voilà. Ah, bah voilà. Attends, après, il faut la laver avant, il faut la laver. D'accord. Ah, non, je vais pas la laver. Moi, j'ai des trucs pour laver. Mais je te facture. Oh, arrête, fais pas ça, s'il te plaît, lave-la. Oh, kawaii! Attends, mais. Est-ce que d'abord on peut partir sur la couleur? Alors la couleur. Du coup, faut que tu me dises quel mot t'as choisi, bien moi. Tu me. Du jaune. Là, je suis pas un mec comme les autres. Une voiture, lui. Je veux deux couleurs. Hein. Oui, du jaune. Merci, Marc le Barbie. Enceinte ou libido, n'importe. Vous allez vous balader tout le temps avec ensemble, donc. Putain, je vais le faire, lui. C'est la voiture du couple. James, ta gueule. Je vais mon point dans ta gueule, ça va être aussi être un couple, tu vas voir. Comme ça là. C'est bien en couple. Jeune comme ça. Jeune comme ma mèche. Comme ça, jeune comme ta mèche. Ça existe pas, ça. Ouais, bah c'est bon, ça c'est bien. Mais ouais, non, fais pas ça, fais pas ça. Et le bas, je veux du violet. Oh, tu me fais gerber. Quoi? C'est dégueulasse. Allez, fais-moi confiance, t'inquiète. Tu dégoûtes. Ça va être la voiture des Lakers. C'est la voiture du vendeur de tout fou. Oh, la blague, elle est trop longue. Eh, ça me fait penser. Dans un film, il y a un mec, il a la même caisse. Oh genre, il part tout ski. Je sais pas si tu vois, c'est la voiture. Je valide là. Quoi? Lave ma voiture, s'il te plaît. Lave ma voiture, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais je peux ça pas, fera 100$. La custom, hein, non, il la lave après. Hein. Oui, après, oui, voilà. Papa, t'en as un pour et moi. Et maintenant, les autocollants. $50, je te la nettoie tout de suite. On peut voir les autocollants, comment ça rend maintenant si on rajoute. Tu sais toujours pas rouler, je suppose. Ah non. Putain. Moi, je sais que fumer et pas rouler. Attends, je te roule ça. Non. 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 C'est tout. Attends, j'ai réfléchi pour ça. Faut un mot que je le cale comme je veux, mais c'est non, un mot. Non, non, non. Comment ça, MX? Non, je connais pas. Non, mais y'a rien de bien, en fait. Bah, c'est de la merde, c'est voiture de merde. Non, vas-y, retourne en arrière le truc où y'a juste l'écriture, là. Ça voilà, ça. Oui, juste ça. Ok. Voilà, est-ce qu'on peut modifier le toit, là? Ou les ailerons aussi. Est-ce qu'on lui ferait pas un nettoyage à l'acide? Ah ouais, mais ça va, tu fais de l'argent. Eh, tu veux pas qu'on te fasse un nettoyage à l'acide? Fort oh, oh. En plus, c'est pas mon métier, ça, faire de la merde. Merci, c'est pas mon métier. Oui, 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 oui. Ça, là? Voilà. Oh, lolo. Oui, oui, vraiment. Putain, c'est une dinguerie. Ouais. Le capot. Frère, c'est toi qui es l'auteur de ce crime. Non, c'est pas moi. Hein.
Je me dédouane de ça. Ah non, regarde le pare-choc avant. Putain de coup. Attends, le pare-choc d'avant. Oh non, non, mais c'est quoi? Oui, 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 oui. Les 4 points, oui, oui, oui. Putain, mais c'est attends, déjà, là, tu fermes les garages, quoi. Tu as combien de dollars, là? Ah bah là, t'es bien. Là, t'as beaucoup, beaucoup. Hein. À peu près 2000. Non, mais arrête, abuse pas. Ah, ok, bah ça va, alors. Capot. Là, t'as 450, ouais. C'est tout. Bah allez, allez. J'ai cliqué sur le mauvais truc. J'ai cliqué sur le mauvais truc. J'ai sorti un chariot, putain. Mais putain, j'avais vu fumer machin là. Ah là. Mais ça marche pas à chaque fois, cela. Ça va être une clope. Non, moi je veux un putain. Eh, c'est mignon, il a mis du rose. Quoi? Porte quoi? Il a mis un jaune et rose, ah bah... Non, bah, il a mis violet. Il a mis violet. Il a mis violet. Violet. Avec ta voix de merde, là. Violet. Putain, ça me fait penser à Tata Yana. Ta gueule. Mais je peux pas... Pourquoi ça marche pas, les fumées, les émotes? Vous comprenez-vous? Ah ok. Je veux des jantes dorées. Il y a des gens, il y a des gens de BMW. Mais comment ça? Mais tu te crois où? Bah ouais, je me crois au marché. Dis-moi ce qui te plaît là. Si je savais, je t'aurais boycotté, hein. Ah ouais? Je vais dormir, là. Oh non, mais arrête, il te fait de l'argent, là. Pour faire une voiture de merde comme ça? Éclaté. Pourquoi t'as mis rose? T'as mis violet? Mort, hein. Ta gueule. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va dire c'est violet. Tu veux quoi comme quoi? Mets-moi de l'or. De l'or. Je veux de l'or. On dirait un taxi raté. Ah, mais le modèle. Oh non, non, le modèle, mais là, quel d'abord. Connard, mais c'est ah, grave. Le modèle. On dirait un taxi, mais qui est mal fait. Connard. Les gens en dollars. Le dollar. Mais pas ça, la vie. Oh le dollar. Lolo, mais le dollar en or. Nous faire. Enceinte. Bah, je suis en train de faire la Titeuf mobile. En plus, je vois même pas comment t'as garé la mais voiture. Mais on dirait un taxi dégueulasse. Ouais, les gens du Louraïdo. Bon, dis-moi quand tu vois le dollar. Vas-y, vas-y. Ah, Marius. Ouais, moi. Il te plaît le véhicule ou pas? Titeuf, ouais, je veux pas délire, tes commentaires de merde. Titeuf, tu sais que ma fille montrera jamais dans ton véhicule. Mais les jantes, les dollars, les dollars. Pourquoi t'as leak? Pourquoi t'as leak? T'as vu ça, le chien pas, va. Elles sont où, les oh là là là, ça c'est bien, ça c'est bien. Quoi, ça. Quoi? Ouais. Mets ça en or, mets ça en or. Oh là là. Je suis excité en plus. Non, je peux pas mettre en or, ça reste comme ça. C'est bien comme ça. Ah, tu vas pas me faire chier. Il y a quoi comme couleur? Non, c'est bien, il y a pas de couleur. C'est non, comme non, ça. Dis-moi les couleurs. Non, sérieux, ça va pas changer. C'est chrome. Jure-le. Oui, donc on laisse comme ça, c'est bien comme ça. Vas-y, on laisse comme ça, t'es sûr, on peut vas-y pas changer? Non, on peut pas changer. Jure. Jure-le. On peut changer. Non, la vie de ma mère. Non, la vie de ma mère, tu peux pas. Regarde. Vas-y. Et de changer, tu vois, ça change pas. Vas-y, bah c'est bon alors. Vas-y, c'est bon, la Titeuf mobile est née. C'est moche. Putain, je suis trop content. Oh là là, dinguerie. Oh, je suis trop content. Antoine, tu veux acheter une voiture? Zola, j'ai des photos. Va ouais. Oh, falloir que tu en baisses, si tu veux pas que ça sorte. C'est que j'ai grave la haine. Ah frère, là vraiment. Oh, tu merci. Fais la vas-y, c'est combien? Qu'est-ce que tu fais en fumée? Comme ça, c'est que de l'espèce, putain. C'est bien. Hein. Je sais pas, tu m'as pété le front, du coup je me pète le mien. Vas-y. C'est donc ça les vieilles mères célibataires. Ta gueule, tu m'as pété le front, du coup je me pète vraiment quand le front. Quand leur mari pour les a quittés. Et qu'elles sont toutes seules à élever un gosse. Ferme ta gueule, putain. Ouais, tiens. Putain, t'as grave la dégaine, c'est vrai. Vas-y, voilà. Let's go, Valo, let's go. Mais tu sais que t'es pas encore divorcé, hein. Mais ferme-la. C'est quoi ça? T'inquiète pas. Je suis trop content, let's go. Allez.
On y va, c'est parti. Les gars, je peux faire quoi avec ouais, vous là? Bon, je te prends une boisson. Y'a rien compris. Allez, tu veux des boissons là? Prends. Non, je t'ai dit, on rejoignait ces gens là. Ouais, rejoins le machin là dans la voiture. Oh, qui veut rentrer dans ma nouvelle Titeuf mobile? Ah, on pouvait modifier les sièges d'ailleurs. Mais il veut nous faire chier encore en plus, hein? Oui, mais est-ce qu'on peut ou pas? Non, on peut pas, on peut pas. Ah ouais? Peut-être demain. Bah, on peut, mais t'es fatigué. C'est ça. Ah, je crois pas qu'on peut. Vas-y, Zola, fais-lui le pauvre. Est-ce que tu peux essayer, s'il te plaît? Vas-y, recule. Merci. On sort le pauvre, c'est bon, le pauvre. C'est quoi, tu m'empêches? J'ai fait une voiture comme ça. Je suis sûr que t'as des clients plus chiants que moi. Ta voiture à la Covid. Ta faute, je reprends juste une photo. Yo, Jim. Covid, elle est beau là, sa voiture. On peut modifier les sièges, les trucs à l'intérieur. Ton qui? Je peux envoyer ça à Lyon maintenant. Je vais lui dire que ça a changé les 18. Ah, tu peux changer juste ça. Quoi ça? Juste le siège avant, en fait. Alors ça c'est d'origine. Le véhicule pocket ouais. Mon gabarit. Attends, un siège sport mais que truc. Vas-y, je veux ça. Siège gamer. Oh j'avoue. Ouais, dis-moi. Et le volant on peut pas. Et t'as cru c'était quoi une play? Oui. Vas-y, c'est moi. Ouais, vas-y, donne-moi. Putain, je suis même plus. Vas-y, demande ça. 6500, je crois. 100$. Vas-y, je te donne 100$, bouge pas. Merci Dagdav pour ton raid. Ok. 100$. Voilà pour. Et vas-y, nickel. Je vais avec ta Batmobile là. Oh la Titeuf mobile. Oh, vous voulez monter dans la Titeuf mobile, madame? Non. Tu parles à mon père? Si elle monte, je la vois. Tu vois pas, je rigole, mais tu veux quoi, toi? Je suis défoncé de toute façon, donc autant monter. Va là-bas, toi, Luper, là. Malade, lui. Ah ouais. C'est bon, je rigole, me frappe pas. Papa, tu m'enroules un autre. T'as dit quoi? T'as des caméras ici ou pas? Oh, botte-le, hein, si tu le bottes. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Descends. Papa. Mais c'est bon, je rigole. Aïe. Non, elle a cassé ma voiture. Vas-y, venez au bouge, allez. Papa, t'en as un autre. What? La Titeuf mobile, elle est incroyable. Monte avec nous. Pourquoi? Y'a pas vas-y, de place. Monte avec moi. Ils sont en train de choquer, là. T'aimes bien ma voiture? Attends, je vais dire merci pour cette magnifique voiture. Bah, vu que je suis défoncé, ouais, ça va. Zoula, je tiens à te remercier pour cette magnifique chose que tu m'as fait. Ah, juste, je suis un peu déçu, t'as pas mis du violet, t'as mis du rose, mais c'est pas grave. Ça te représente. Oui, vas-y, bisous. Oui, bisous, j'aime bien le rose. En vrai, j'aime bien le rose, moi. Merci. Mais non. Mais ta marque, j'aime vraiment la couleur. Mais il sera là que samedi. Pas toi. Toi, je t'aime pas, toi, je t'aime pas. Mais non, va Wichop. Ah, c'était trop tentant, pardon. Ah non, mais vraiment, en plus, je pensais vraiment pas à toi pour le coup. Non. Ça y est, à cause de toi, ça va croire des trucs bizarres, là. Non. Mais je suis défoncé, il m'a donné un joint, c'est pour ça. Oh, par pitié, qu'on me laisse tranquille. La tête d'eau, je n'y suis pas. Mais ils vont où? Je sais pas. Donc, à leur demander. Moi, je vais à Nashbrook. Nashbrook? Attends. Ouais, je vais leur montrer mon truc le plus magnifique que j'ai fait de ma vie. Papa. Mais bien. Ta gueule. Non, pas toi, papa. Non. Voilà, cher, dans ta mère. Je parlais pas à toi, je parlais à Titeuf. Vous allez où? Dis-lui, nous on va à Nashbrook. Attends. Papa? Chop. Ça va? Il a fait du tour avec ça. Ouais, tu m'entends? Ouais. On va au Wichop. Au Wichop? Vas-y, bah. Oui, nous on va à Nashbrook. Je sais pas, il veut aller à Nashbrook avant. Je pense qu'il faut avec sa voiture de merde. Je vais la montrer à toute la population. Mais c'est quoi que t'as mis dans le joint? Parce que je suis déchiré là. Je sais pas.
Oh, bah là ça m'inquiète, si même toi tu sais pas ce que tu mets dedans. Ok, vas-y. Ah bon bah y a personne, super. Vas-y, on arrive. J'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Au wet shop. Le wet shop. Ouais. Au wet shop, au wet shop. Vas-y, vas-y. Qui c'est qui va voir ma voiture en premier? Je sais pas. Je réfléchis. Je suis en train de regarder mes contacts en même temps. Moi je suis comme ça, moi j'aime bien. De toute façon, aller tu conduis limite mieux quand tu regardes pas la route donc. Quoi? Mais alors là, espèce de sale grognasse, bah, ça veut dire quoi ça? Ta gueule! Tu parles bien une fille défoncée, ok? Défoncée, comment ça défoncée? Wow! Comment ça t'es défoncée? J'ai bu. Quoi? Hein? T'as bu quand? J'ai pas bu. T'as bu quand? J'ai fumé. T'as fumé quoi? Bah, je sais pas. D'accord. Un truc à mon père. Je suis mort, nos discussions, c'est à l'aide de nos connaissances. Hey, dégueulasse! Ça dit quoi, mon gars? T'es inoccupé là? Vas-y, après, faudra que je te montre la Titeuf mobile, mon pote. Tu vas choquer. Vas-y, bisous. Oui, vas-y. Putain, je suis trop fier de ma voiture. On dirait jaune d'œuf. T'as vu, l'âme de critique que t'as, tu peux la foutre où je pense. Où ça? Dans ton cul. Bah non. C'est moi qui décide. Non. Tu décides pas pour moi. Là, je décide pour qui j'ai envie de décider. Non, pas pour moi. Si tu veux, mais pas pour moi. Moi, je décide, ouais. Ouais, ouais, moi, je décide, non. Ouais. Non, non. Salut, Florent. Si. Non, 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 non. Oh ah, si. Ouais, ouais, tu décides vachement. Bah, si, je décide, ouais. Ouais, tu décides bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, fils des poètes? C'est qui, Roy La Street? Nous savons ce qu'est Des de la Maniana. Ta gueule, par rapport à je sais pas quelle langue là. La fête des Oi. Ça va, tu te rappelles de tes cours du collège, t'es content. Alors non, déjà, ça n'a... Hop là, tu décides là, tu décides. Je suis bourré. T'as acheté? Je peux pas t'aider, je suis au début. Le ouais. C'est à ton père ça. Ouais. Mais pourquoi t'as choisi lui comme père? Ta gueule. Mais c'est un connard ton père. Verbelasse toi de connard. Attendez. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir la dinguerie. Quoi? Eh mais vous avez shooté ma mère et mon père en moins de 2 secondes. Si ouais, je l'ai pas fait exprès. Bah bravo. Dimitri, vous savez pas maman. Où est-ce que je mécanon pour faire de custom. Ah, je crois qu'il est parti dormir, ouais. Je crois qu'il est parti dormir, là. Si, comment il s'appelle? C'est Zoula. Zoula. Vous avez son numéro, comme ça je l'appellerai. Yo, Victor. Vas-y, tu te donnes lui, moi je l'ai pas. T'as un sacré boule dans ce pantalon, maman. Attends, mets-toi contre la voiture, Pumba. Zoula, 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 555. 52-78. Regarde-moi, regarde-moi. 52-78. Si, perfecto, grazie mille. Ah, si, grâce au malo. Elle est fraîche, ma mère. Si, en tout cas, vous avez une belle voiture, hein, la voiture jaune qui est là-bas, vous, hein. Ah ouais? La jaune est rose. Dites pas ça, dites pas ça. Il parlait du taxi. Non, il parlait de ma voiture, il parlait de ma voiture. Taxi, taxi. Il parlait de ma voiture, regarde, regarde. De toute façon, les deux, ils se ressemblent, donc. T'es un taxi raté. Il parlait de ma voiture, attends, attends. Qu'est-ce que tu me parles? T'es un taxi raté! Monsieur, vous parlez de celle-là? Dès que vous avez fini, de celle-là, si! Dès que vous avez fini, venez au 8. C'est là, là! Poser, on va écouter un peu de la musique en bois, un petit coup. Si, alors le perfect, on arrive tout de suite, on arrive tout de suite. Allez, voilà. La 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 la. Bon. T'es là, sale con! T'es toi, sale con. Merci, Rominou! Merci pour ton resub. T'as frappé ma voiture, mais non. Et toi, tu tapes à l'aide de tes connaissances. Ça y est, je t'ai touché, c'est bon, j'abandonne.
Pourtant j'ai essayé même pas de t'esquiver. Non mais c'est bon, c'est bon, je suis... Il a chié lui. Rigo, tiens. Tiens. Papa. Ah ouais, attends, on va régler ça. Vas-y, viens là. Non, non, papa, passe-moi, 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 papa. Rentre, rentre dans le YouTube. Oh non. Vas-y, rentre. Oh non. Dépêche-toi, rentre. Oui, oui. C'est l'autre porte. Vas-y, va dans la réserve. Quoi, là-bas. Ça va, et toi, Rominou? Salut, Madima, merci pour ton follow. C'est même pas ta vraie fille en plus. Ta gueule! J'en ai une ici. Oh, c'est sympa! Vas-y, viens, on laisse pas rentrer, on laisse pas rentrer, vas-y. Oh, viens. Je te voyais dehors, moi. Viens, viens. Oui. Tu vas venir là. Okay, okay. Et tu vas courir contre le mur en face, là où il y a le truc. Lève-toi, Rukia. Hein? Non, pas ça. Tu vas courir contre le mur en face. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Et tu cours à fond. Oh non! Lève-toi. Je m'attendais à pire. Bon, attends, je vais t'aider. Voilà. C'est bon, t'es content? Attends. On va te défoncer ou quoi? Regarde. Regarde et apprends, fiston. D'accord. Zanda Tayo. Mais... Papa! Vas-y, fais-le. Bouille. Merci, Zane, bienvenue. Non, c'est pas fermé. Vas-y, c'est toi. Ah. Oui. Aïe, je me casse, moi. C'est quoi ça? Ricky, vas-y. Ça va t'envoyer dans l'espace. Ah, Camille. Hein? T'en dis quoi? J'ai rien vu. Je dois faire quoi? Rentre dans le mur en face. Qui quoi? Allez, okay. Vas-y. Lève-toi, Maryse. Ouais? À droite, là, ici, voilà. T'as vu là où t'es? Faut que tu cours à fond et tu rentres. Y'avait pas besoin de courir! Café, je veux plus rien! Oh, cher, dans ta mère. Elle laisse tomber. Quoi, mais il fait quoi, Louis? Oh, attends, putain. Mais il fait quoi, Louis? Je suis complètement déchiré! Quoi? Tu t'es en train de bouger avec une chicha? Salut! Ah, ça va? Ouais! Attends, il me fait de l'œil. Aïe! Non, je mange-le. Pousse-toi, je vais. Arrête, je vais zooker la plante, laisse-moi tranquille. Cavale, vite tuer. Laisse-moi zooker la plante. Ouais. Je me casse. Ouais, ouais. Ben, c'est là, du coup, on est venu pour boire la verre, mais. On la zook comme jamais. Faites attention, vous avez tué les coccinelles. Vous êtes très belle, alors vous. Une beauté. Beauté, dégage-toi. Comment ça, dégage-toi? Attends, Pumba, viens. Y'a madame, y'a. Tu veux fumer? Non, je veux pas fumer, non. Caramel. La monster, ou alors j'ai une. On en sait plus, ça! Qu'on fait spécialement nous-mêmes qui vient déjà avec elle. Je suis grave d'accord. La boisson, la weed, elle est bien. Je vous fais goûter ça. Alors, je vais éviter de goûter, mais Gaspard, si tu veux, vas-y, goûte. Hein. Ouais, je vais goûter, moi. Je suis un homme d'expérience. Gaspard. Rappelle-toi ton objectif, hein. Oui, vous inquiétez pas, je goûte, hein. De toute façon, il y a... Mais Zibi, comment on fait? Y a pas de problème. Ouais, c'est aromatisé, monsieur. C'est juste aromatisé, voilà, patron. Est-ce que vous voulez laisser ici? Tiens, ou est-ce que vous voulez qu'on aille à l'heure? J'ai amené okay, le bon monsieur, état. Là, que tu m'as dit. Mm-hmm. Pour le compte. Il est là, le monsieur que je t'ai dit? Signora, Enora, excusez-moi, je vous entends. Oui. Vous préférez qu'on aille ailleurs ou vous voulez qu'on laisse ici? Ah ouais, là, parce que je me sens mal, hein, la fumette, moi je fume la pipe. Mais écoutez, jeune homme, on va revenir plus tard, d'accord? Si, voilà, il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on est voisins quasiment d'entreprise, on revient. Ouais, il est légal. Ouais, il n'y a pas de soucis. C'est vous, monsieur Mario?
Ah, moi aussi, c'est madame. Voilà, j'ai bien répondu sur Twitter. D'ailleurs, j'ai peut-être quelque chose pour vous. M'en fous. Des cheveux soyeux, vous voyez. J'ai mal aux yeux là. C'est mieux que tu t'en fous. C'est mieux. Bah, dis donc, tu tires à balles réelles sur Twitter. Hein. Bah, un gros. Grosse force au plus. Il va juste me donner un truc apparemment. Oui, grosse force au petit frère Lion, oui. Attends, c'est pour les dames, ça, c'est les cheveux. Et la chicha, hop là. C'est pour les cheveux. Alors ça, c'est très très bon, parce que la tête d'homme, c'est pas ça. Ouais, c'est très bon. T'avais qu'à fermer ta grosse crête. Non, non, mais ça, ça a rien à voir. Vous remerciez. Je vous protège, vous en direz de nouvelles. T'as l'affût sur Twitter, il y aura peut-être une soirée. Oula, tu l'as envoyé au 7ème série. Madame, et ça va? Non, ça va pas. Et pourquoi vous faites ça là? Ouais, c'est ma gamine, ne t'inquiétez pas. Ah non, mais c'est vous. Ce sont les états normaux. On est des amis, ça n'a rien à voir, madame. Non, c'est un connard. Quoi? Vous êtes sûr que ça va? Non, là, je suis choqué, là. Madame, ouais, ça va aller, j'étais défoncé, ça passe plus. Welcome. Pourquoi pas, hein? Madame, venez dire que vous en pensez quoi de ma voiture. Welcome. Là, j'ai peur. Elle est horrible. On dirait un tic-tac raté qui a passé sa soirée dans les chiottes. Ah non, mais dites pas que c'est ce machin vert. Non, c'est le truc derrière, encore pire. Comment ça, encore pire? C'est magnifique, c'est jaune et rose. Ah, c'est très bubble gum, j'adore quand c'est bigou. Voilà, vous aimez, vous validez ma voiture. J'adore. Voilà, il y a quoi maintenant? On entend moi ta grande gueule, hein? On entend moi ta grande gueule, hein? Elle est mieux. Madame, vous voulez faire un petit tour? Madame, vous voulez faire un petit tour? Aller... Non, ça va aller, merci. Ok, d'accord. C'est mine. Allez, on y va, ouais. Bomba, on a une opération. Hein. Merci, ouais. Bon, je suis de série. Hein. Je vais te fumer ton gars. Pas, faut qu'il fasse des nouveaux épisodes. Là, c'est bon, je la connais trop. Yo, moi, je suis tellement défoncé que je vois mon tactique. Pourquoi tu veux le fumer? Tu fumes assez de trucs comme ça, papa? Ouais, mais c'est pas suffisant, je vais le fumer à lui maintenant. Non, mais ça va. T'as toutes les herbes du monde, tu veux fumer la plus mauvaise. Ouais, mais. Non, mais faut pas fumer de la périmée, hein. Laisse-le tranquille. Petit œuf. Je vais te fumer. Mais non, faut pas fumer des herbes avariées. Donc toi tu veux toucher l'objet sans payer. Putain, mais... Comment ça toucher l'objet, mais je l'ai pas... Quoi? Comment ça toucher? C'est toi, c'est quoi que t'as appelé toucher, toi? James, il m'a dit que tu voulais juste un coup d'un soir. Mais James, dit que des conneries, cet enculé. T'as dit ça? On lui pète sa goule ou pas? Tiens, Titeuf, profite. Bah, demain, là, je suis trop défoncé. Profite de la jeunesse. Oh, mais c'était la bonne taille. Profite de la jeunesse. Je vais pas dire, mais il m'a donné un truc de fou. Il a donné une capote XS. Oh, confond, il t'a insulté. Non, mais en plus, tout le monde a déjà demandé. Putain, Denis j'avais XL, marre de ces enfants. XL. C'est ce petit œuf, arrête de. Grave, Denis XL, la tête d'homme, c'est quoi ça, hein? On l'a votre grande gueule, hein? Ah, c'est quoi ça? Hein? Ouais. Ouah, le cachalot, ouah. Ah, il a hâte de baiser avec des aliens. Je vais péter un câble. Qui baise avec des aliens? Un prédateur. Tu parles de ma mère? Non, de ton père. Ouais, mais t'as dit que ma mère, c'est un alien. Mais non, t'as pas capté. Bah après oui, ta mère, c'est vrai que c'est un alien, ouais. Ta gueule. Ah mais non. Quoi? Tiens, Titeuf, ça c'est ma taille. Et il a rajouté 8X. Content de sa blague. Allô? Ah bah je l'avais pris, j'ai un temps. Félicitations, ma Lulut. Pourquoi? Bah je savais que t'étais avec le petit Titeuf, là. Ah ouais, félicitations, ouais. Merci. Ah oui, j'ai lu sur Twitter, là. Quoi? Mais papa. Non. Alors là... Hello. Ouais. Ouais, je disais félicitations. C'est Pumba, elle va être contente. Ah bah, elle est au courant. Eh bah, nickel, incroyable. Comme quoi, tout se sait grâce à Twitter.
C'est sympa ce truc là. Ouais, c'est la nouvelle technologie. Bon bah c'est bien, bon bah allez, je te laisse avec ton amoureux. Des bisous. Ouais, bisous. Tranquille. Ouais. Ça va, ça va. Ah, je crois qu'il a accroché ta voiture, il a accroché, tu peux pas partir. Il a accroché au poteau, attention, si tu pars, tu vas arracher le vol au club. Mais tu me baragouines, toi, il invente pas des choses qu'il y a pas. Ferme ton coffre. Oh. Bon, vas-y, y'a pas de soirée, vas-y, je vais aller dormir. En détail, où bon. What? Hurray ah, mais... Mec, ça va pas ou quoi? Tu t'es dit quoi de ton heure? Tu touches pas au chat, espèce de salco! Quoi? Mais quoi? T'as plein, papa! C'est quoi ça? On est sur Clash Royale, t'as invoqué plein de personnages là, je vais péter un câble! Attends, je t'écrase! Je t'écrase un peu là! Non mais lâche-moi toi! Touche à un membre de James et je te démontre! C'est mon coloc! Tu l'as mis dans mon coffre, encore heureux que je lui pète sa goule! T'as mis quoi dans le coffre? Oui, bah déjà, coloc, vous essayez de gratter ma villa, bande de chiens. Quoi? C'est toi qui m'as invité. La tête d'homme, je t'ai pas invité. Ah si, si. Ah, il nous avait invité. Regarde. T'as mis quoi? je veux pas te faire peur, hein, mais... Ah sandwich. Maxi sandwich. Je suis pas quoi, une putain de tranche de jambon. Quoi, toi aussi il est fou, quoi, Louis. Non, 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 s'il vous plaît, ma voiture. Non, non, non. Tu restes là. Il y a personne qui me respecte. Putain. Je suis une balle de ping-pong. Regarde-le. Putain. Ils sont en train de jouer au Tetris avec leur voiture. Quand il avait le dos tourné, j'ai accroché les voitures. Ah mais c'est putain, ça que t'as fait, bâtard. Bah oui. Ah, je pleure. Ah, ah, j'ai une larme. Oh, c'était trop beau. Ah ouais, Alex a lâché rien. Putain, c'est un bad, ouais. Je pleure. Le bad. Bon, faudrait leur dire de revenir maintenant. En fait, non, qui non, on va chercher en voiture. C'est moi. Mais faut que c'est toi qui l'enlève. Oh putain, mais... Appelle ton père. Bouge. Monte. Toi, monte. Oh, ils sont c'est bon, ils reviennent. Détachez-moi cette merde là, je vais péter. C'est bon, c'est bon, vous êtes détaché, c'est bon. C'est qui a attaché ma voiture comme ça là? Quoi? Mais espèce de sale chien, va attaquer ma voiture. Putain, je t'ai dit quoi? Trop de balles! Tu touches pas à James! Non, mais je viens de l'acheter, j'ai envie de pleurer, non, mais je viens de l'acheter, mais pourquoi? Pourquoi toujours il faut que les gens ils fassent des trucs comme ça? Papa, te loupe pas! La dégaine du daron avec sa matraque là. Tu veux pas invoquer la foudre aussi hein? Eh, vous avez vu les annonces ou pas? Ils ont coupé toutes les télés. Ouais. Mais non, pourquoi? Salut. Pas, c'est qui là? Vas-y, aide-moi à me relever un peu là. Vous êtes des filles. Tiens. Pouette. Fils de pute. Tire sur mon doigt. Viens, je quoi? Ça va quoi, Kaiden? Ça va et toi? Ouais, t'as vu mon SMS? Ça va très bien. Ouais, j'ai vu, mais j'ai failli mourir encore deux fois aujourd'hui, donc trop cool. Quoi? Comment ça? Non, il se la chance, non. Je t'expliquerai après. Vas-y. Choco. Ah putain, j'ai du mal à respirer. Oh, j'arrive. Je vais aller à l'hôpital, je fais une crise de l'âme, ce matin.
Moi, je fais une crise de taboulé. Oh putain. Je fais une crise de taboulé. Ah. J'ai cru que j'allais pleurer. Ah. Bah pleure pas, ma petite cannelle. Ah, mais quoi? Mais tu traînes trois kidnaps, toi. Ah, dégoûte. C'est quoi le mind game déjà? Je t'ai fait contrôler, bonsoir. Salut. Ouais, c'est moi, c'est moi. On est passé à côté de ton voiture. Mais vas-y, mais ça va, ils m'ont rien mis, ils sont sympas et tout. C'est mais nous aussi on s'est fait contrôler. Plante, je l'ai dit. Je roulais à 180 en ville. Bah non, mais l'autre jour, ils nous ont quand même contrôlé. L'autre jour, ils m'ont arrêté, ils m'ont palpé sans mon accord. Quoi? Ouais. C'était des hommes. Enchanté, Cordélia. Et toi, c'est Rekia. T'es bourré, toi, non? Oui, ouais, moi je suis un clochard. Mais ouais, non, mais c'est n'importe. Mais ils ont pas le droit de te palper. Bah ouais, je sais. Mais je les ai rendus ouf et ils m'ont dit de dégager après. Bah non, ils ont mis des gants. Tu sais que tu peux porter plainte, hein. Ouais, bah j'irai porter plainte contre 50. Faut que t'ailles jusqu'à la. Enfin, que t'ailles à la mairie pour porter plainte contre des agents. Dieu te le rende. Ah ouais? Là, je te fais un bisou. Ouais, parce que tu peux pas porter plainte contre leurs collègues. Merci. Je suis pas très très riche, hein, je t'avoue, mais bon. Merci. Mais ouais, ils m'ont palpé et ils ont dit que j'étais une criminelle maintenant quand ils me voient alors que j'ai rien fait. Ah merci. C'est n'importe quoi. Faut que les flics. Ah putain. Oh les flics, ils m'ont tasé tout à l'heure alors que je m'étais pissé dessus. Oh, j'ai failli mourir. C'est bon. Quoi? Pourquoi tu t'es fait taser? Parce que j'ai pissé dans leur voiture. Ah. Oh bah toi aussi, tu fais pas d'effort. Il était stressé, il arrivait pas à se retenir. J'étais stressé. C'est des choses qui arrivent. Bah ouais, bah je suis un clochard. Ouais, ils ont voulu me taser parce que je me suis approché de lui pour qu'il arrête de pisser tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, il a pissé dans la rue et j'ai voulu m'approcher de lui pour qu'il arrête, tu vois. Ils ont failli me taser parce que j'ai voulu m'approcher de mon pote. Ils sont défoncés. Ouais. Et en plus, ils se sont fait pisser sur les chaussures, ils ont même pas vu. C'est bien fait pour moi. Ah ouais, ça c'est dangereux, ça. De toute façon, moi, je pense que je compte faire bientôt une révolte contre les keufs. Et du coup, vous appelez comment, vous deux? Cordelia. Moi je m'appelle Abbess, mais tu peux m'appeler le clochard. Moi c'est James. Okay. Non, tu m'as dit combien? Abbess. Abbess, mais tu peux m'appeler le clochard. Mais non, vas-y Abbess, t'inquiète. T'inquiète, moi j'aime bien le clochard, j'aime trop, je préfère. Je m'y reconnais grave. Non, t'inquiète. Ouais, mais quand même, tu vois, ça se fait pas. Si, t'inquiète, ça se fait. Je suis pas quelqu'un de méchant. Non, mais c'est pas méchant. Ah, mais c'est pas une insulte pour lui, hein. C'est réalistique. Vraiment, c'est pas une insulte pour lui. Ah ouais, c'est réalistique, ok, vas-y clochard. Oh non, moi je me sentirais. J'aurais trop mal au cœur de le dire. Mais non, regardez. Elle, vous pouvez l'appeler connasse, ça passe. Vous êtes étudiant, vous? Ouais. Apparemment, il y a une j'ai eu du mal à sortir du lit ce soir, mais il y a eu une attaque encore ce soir? Oui, ouais, on était dans la salle. Par Arthur encore. Putain. J'étais là hier sur le bateau. Il a mis le gaz et tout, et il a essayé de tous nous gazer. Vous étiez là hier? Moi non, ouais. Lui ouais. J'étais sur le premier bateau, moi. Vous avez dû rencontrer un gars. Le bateau des Latinos, quoi. Non, moi j'étais sur le premier. Vous avez dû forcément rencontrer un gars qui s'appelle Blasi. Non, ça me dit rien. Non. Et bah, si vous le rencontrez, évitez-le, il casse les couilles. C'est bon. Blasi, il va à l'université, le mec? Ouais. Je connais pas. Il ressemble à quoi? C'est un Renoir, il a des tresses, il porte tout le temps une casquette et un casque Beats. Bah, ça me dit rien. Ouais, bah... Bonjour, monsieur. Salutations, qu'est-ce que tu m'as dit? Vous allez bien? Non, super. Ça va, hein, la baisse. Je suis devenu quelqu'un de posé, Cordélia. Tu me fais peur, là. Mon voyage... Ne serait-ce point là, mon très cher ami Alexei. Si, c'est moi, baisse, comment vas-tu? Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes chers? Eh bien, absolument monsieur, pourquoi je comprends plus rien, je me suis levé d'un bon pied aujourd'hui, et franchement... J'ai essayé de braquer quelqu'un et il m'a pas laissé. Franchement, là, je suis devenu quelqu'un de super chaud. Ok, moi je vais aller sentir le meuble là-bas. Là, il a l'air de sentir grave. Mais pourquoi? C'est des meubles Ikea. Bien sûr, les meubles. Ça fait flipper, lui. Je te rassure. Si je dis que t'es ma copine, il te fera rien parce que c'est mon frère. Ok, bah dis-lui que je suis ta copine. Ouais, viens. Eh, c'est grave ma copine, ma pote. Pourquoi elle a dit ça? C'est ma meilleure amie. Pourquoi? Ah ouais? Hein? Alexis, c'est ça son nom? Ouais. Alexis? Non, c'est pas Alexis, ça. Merde. Alexis, non. Non. Attendez, Alexei. Vous êtes con ou quoi?
Bref, hein, on s'en fout. Remettons les pendules à l'heure. Ah, oui, okay. Non, c'est juste que c'est pas comme dans tous les serveurs où tout est mélangé. On n'est pas censé être au courant de ce qui se passe, nous, on est dans le civil. Vous voyez comment je suis habillé ? 1h30. Tel un gangster, tel une Kaira. Ah oui, en effet, là. Eh bien, ouais. tout à l'heure, figurez-vous que je vendais de la coke et une personne m'a mal parlé. Ah. Comment ça Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es défoncé ou quoi? Non. Vous avez jamais vu quelqu'un qui vend de la coke? Monsieur, hein, je veux pas vous affoler, hein. Mais franchement, si vous continuez de vendre de la coke, vous aurez besoin d'un avocat. Et par grande chance, ça tombe bien. Je le suis. Exactement. Et moi, je suis en étude, je suis son assistante juridique. Les enfants, venez avec nous. Ah bah, je vais prendre votre numéro. Tiens. Venez avec nous ici. Où ça, ici? On est déjà là. Je sais pas, on va se serrer là. Allô ici. C'est quoi déjà ton prénom? Oui, je vais venir là. Venez, okay. On va zoupier là. Raya. Non, attends. Ouais. Je vais te dire là si... comment t'es inexpliqué? Le triangle, il va n'ouvrir. Le triangle là? Oui, le triangle. La boîte est nouée là. Je travaille. Ouais. Ah, viens-y. Ok, bah vas-y, on arrive après. On est à l'hôpital, là, on parle avec... on parle. À tout à l'heure. Toi, t'aimes trop aller au hôpital, toi. Et toi, t'aimes trop avoir une voiture de merde et une crête dégueulasse. Pardon. Ça me supporte. Toi, t'aimes trop manger des cailloux. Ouais. Et toi, t'aimes trop parler de moi. Allez, ta gueule. Toi, t'aimes trop tweeter sur moi. Ouais. Oh, là, t'as moi. Et toi, toi, t'aimes trop m'inviter au resto. Mais non. Allez, hop, échiquier mat. Même galoche. Mais pourquoi t'as bu ça, toi? Je sais pas, il avait l'air trop... Débile, oh, putain, réveille-toi. Oh putain. Tu me frappes. Mais parce que t'es débile, réveille-toi là. Oh, excusez-moi, il y a mon ami Titoff qui m'a appelé. Réfléchis un peu. Et apparemment le triangle, il va ouvrir. Putain. Le quoi? Ok. Bref, mon ami. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il m'a passé le bocal, j'ai tout bu. Il est sorti de la voiture, il m'a dit, tiens, ma belle voiture. Comme ça, il me l'a dit. Tiens, ma belle voiture. Eh ben, si vous voulez, on peut se saouler encore plus la gueule en allant en triangle. Vas-y, je suis chaud. Ah, y a le ouais, je suis chaud aussi. Mais on a un truc à faire, Abbess, avant. Eh, hey, on se donne rendez-vous au triangle. Vas-y, attends, je prends ton numéro. Ouais, vas-y. Je vais te donner le mien parce que je galère avec mon téléphone. Vas-y, attends. Hop. Vas-y, c'est quoi ton prénom déjà? Enfin, comment ça s'écrit sur Cordélia. Cordélia, C-O-R-D-E-L-I-A. Ok, vas-y. 555628. Elle a lâché un 555. Ça se voit, le balance à tout va son numéro. 555. Non, même pas. 555. Je le donne Kofi. Je le donne Kofi. Ouais, t'as bien raison. Attends, je t'envoie un message. Vas-y. Moi, je vais dire ça, Rukia, maintenant, genre. Je vais dire 555-7100. Représente. Vas-y, à tout à l'heure. Représente. Vas-y, 555, représente. Représentant, je l'envoie, je de voiture. Tu viens, toi? Tu vas où? Bah, je cherchais des ventolines. Ah, 3000 oui, de 25 centilitres de millilitres. Ah oui. Mais moi, j'ai fait une crise de taboulé. Il me faut du taboulé. Bah, si t'as fait une crise de taboulé, il te faut pas. Merci du taboulé. Merci, Brock. Merci, Reza. J'ai une crise... Tu sais, c'est quand t'es en manque. Ah ouais, genre tu fais une crise d'asthme. Il ouais. te faut de l'asthme. Ouais, je vois. Ah non. Elle m'a demandé. Où devenait mon prénom? J'ai dit à ma mère. Aimé. Tiens. Ils ont laissé tomber ça. Bah fous-toi le dans le cul, y'a la place. Non, c'est bon, c'est grave. Je veux du taboulé. Du taboulé. Est-ce qu'il y a un docteur? C'est pas pratique. Hein. Ouais, je crois qu'ils sont peut-être en séance. Triple 5, représente. Je vais m'asseoir là. Reste avec moi aussi. Je sais pas pourquoi tu t'as sauté, tu t'es dit. Représente. Tire mon doigt. Mais ça va ouais, pas. J'avais une petite... j'avais une petite envie de zouker. Ça va, messieurs, dames? Oh bah super ouais. Bien enculé, je sais pas quel fantôme là, mais putain, il est bien passé. Oh putain, ça va être toi, Wachter?
Il a fait quoi, genre il a enculé le vent. Qui a zouqué le vent. Allez, on va zouquer la machine à café. Bon, je vais le fouiller, mais d'habitude j'aime pas faire ça. Mais... zouqué le café au lait. Zouquer la machine. Ça accélère. Dans quoi? Fais pas des bruits comme ça non plus. Calme-toi. J'ai bien laté le café là. Oui, bon, bah ça va, hein. Tu te calmes. Ah, faut te trouver une femelle, toi, ça va plus. Hein. Laisse-moi tranquille. Tiens, Cordélia fera l'affaire. Non, pas du tout. C'est quoi? Ah, tu la trouves moche? Personne beau déjà. T'es en train de me dire que je suis moche? T'es pas au goût du jour. Toi t'es un bâtard. Non, un connard. Eh viens après, viens, on va se faire des tenues de ouf pour la soirée là. Ouais, genre du coup on ira à la soirée demain quoi. Non. Je mets juste une robe, ça c'est facile à trouver. Non, c'est mon coloc. Voilà. C'est merde, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oh là là, ok, bon, on fait nécessaire. Oh là. Ok, bien reçu. Oh là là. Oui. Alors. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Moi, je viens chercher des boîtes de Ventoline 3000 de 25 centilitres de millilitres pour mon âme, ce matin. Ouais. Ah. Et moi, j'aimerais savoir si vous vendez du taboulé. Alors, le taboulé, c'est pas au bon endroit et la ventoline, c'est au bon endroit. Alors, attendez. T'as toujours tout, toi. Moi, je trouve jamais mon taboulé. Ouais, c'est normal. Faut aller à la supérette. Restez dehors, monsieur. À la supérette pour une ventoline. Okay. Non, pour le taboulé. Ah. Non, mais je te l'ai déjà dit, ton mot, in-game, bien mort. Ah ouais, ça va mieux, merci de m'avoir. Laisse tomber. Pas de soucis, t'inquiète pas. Je savais pas que tu travaillais ici, c'est trop stylé. Ah ouais, non, dans le ERP. Ah, c'est trop bien. Moi aussi, une fois, j'ai été stagiaire quand j'étais plus jeune et dans un hôpital. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que j'avais peur du sang. Tu sais qu'en 2 jours, j'ai sauvé 2 personnes. Ouais. Bah, j'ai sauvé Wana de la noyade hier. Vas-y, on en veut encore. Elle savait pas nager. C'est vous, le RMS ? Et j'ai sauvé Kylie tout à l'heure quand elle s'étouffait dans le gaz. Hop, monsieur, je vous donne la ventoline. Vite. Deux petites secondes. C'est pour ça, vite. Je le mets sur la table. Il passe son sang et il a pris une balle de sniper. Il a pris une balle de sniper, donc. Une balle de sniper. On y retourne. Ouais. On va faire nécessaire. Tu prépares l'anesthésie. Capitaine déposé à l'hôpital. Oh. Étoile des neiges, pays merveilleux. Je vais aller me changer. Hein. Je vais te changer où? Bon, si le temps qu'ils font tout ça là, bah en magasin. Il est loin le magasin. Bon, nique, hein, j'y serai. Ah, de ouf! Je lançais une traîne de Vanity Tuff. Salut Zetaku. Attends, mais on n'a pas demandé la prescription de ta crème de Trophignon. Ta gueule. Tu viens ou tu viens pas? Attends, je lui ai demandé quelque chose, je vais pas partir comme un voleur quand même. Bah il a fait genre il a été la chercher, il te l'a abandonné hein. C'est lui le voleur. Bah je reviendrai demain. Vas-y. Merci, je t'aime. Non, j'ai pas mon permis. Ah tiens, y'a ton gynéco devant. Quoi? Je veux pas de gynéco. J'en ai pas besoin, en plus je t'ai dit à toi que c'est mon ami, on est pas ensemble. C'est mon ami hein. Mon ami. C'est ton ami hein.
putain, gars. Ouais, tout à l'heure, je me suis fait arrêter par la police. Ah bon? Ouais. Pour excès de grande, grande vitesse. C'est quoi cette voiture? T'en dirais un jouet. C'est quoi ce magasin? Oh. Oh. Comment je m'habille? Je vais mettre une petite chemise. Voilà. Comme ça. Et je vais rester en jogging. Ah, celle-là, je l'aime bien. Quoi? Cette chemise, j'aime bien. Attends. Cette robe-là, ah, j'aime bien. Avec les rayures roses. Non, il n'y a pas. Je vais mettre celle-là avec les rayures noires. Merde. Voilà. La 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 la. Enamor, non non non. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon sac. Ah, tu cherches ton stylo aussi, je crois. Ma gueule. Où sont les Air Force là? Ouais. Where is the Air Force? Where is the James surtout? T'es où? Comment ça, where is James? Bah, je te vois pas là. Bah, ouvre les yeux. Mais putain, hein. Il est où mon sac? Merci Lightnew, bienvenue. Ou du taboulé, je suis mort. Salut Kiri, merci. Et ta mère, elle va ouvrir un cabinet d'avocat. Ah ouais? Ouais. Stylé. Je te vois pas là, ça me fait un peu peur. Non mais ouvre les yeux. Ça, ça va être une tenue que je vais garder. Un style. Il y a des trucs. Ça fait peur. Il y a des trucs. Ça fait peur. Ouais. Ah, c'est toi qui fais surtout peur. Quoi. What? Mais quoi? What? Oh, je te vois plus. Moi, je te vois pas. Putain, mais je sais pas quelle chaussure mettre. Ça m'énerve. Bah, on met pas. Ouais, j'avoue, je vais faire comme Olena.
Ah, je sais. Tu sais quoi? Non, t'as disparu. Regarde. Je sais comment je vais m'habiller, Génie. Voilà, c'est ce que je cherchais. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui. Est-ce que tu me vois? Eh oh. Non. Ah bah c'est con ça. On va mettre sexy. Parce qu'elle est sexy. Dis-moi en plus. Rien. Ah ouais. Tant de choses que ça. Tellement de choix. Moi c'est bon. Bah, moi c'est presque bon. Toi je regarde les chapeaux. Non. Je suis con, à chaque fois je me fais avoir quand je prends un chapeau. Merci Mazreli, merci Snack, merci Fatal, bienvenue, bienvenue. Mets un bob bleu, il n'y a pas de bob bleu. Il n'y en a pas. Ah, j'ai celui-là. Il y a celui-là en vrai. Mais je crois que c'est une... Je sais pas si c'est pas une entreprise. Oh, attends. Ah, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Yo, Sasaki. Comment ça va? Ça, c'est bien ça. On dirait à la plage. Ouais, ça va, ça va. C'est stylé, ça. Non? Grave. Vas-y, la bulle, je t'écoute. On va prendre celui-là.
Recal de la campagne, de ouf. Vas-y, alors attendez. C'est ça. C'est quoi ça que j'ai acheté? Voilà. James? Ouais. Regarde-moi, je suis trop stylé. J'avoue que je me sens un peu invisible à mes yeux. Putain. Bon, t'as bientôt fini? C'est aberrant. Ah mais le béret, j'y ai trop mis. J'avais trop envie d'un chapeau comme ça en plus. C'est dommage qu'ils avaient pas cette... cette robe là, mais en rose genre. Fais gaffe au marchepied dehors. Pourquoi? Oh je sais pas, j'ai trébuché dessus. Ah. Bon, t'as bientôt fini. Je t'attends. Bah moi je t'attends là. Vas-y. C'était l'aime, va. Salut baba. Oh, tu ressembles grave à Kira. Ah, le marchepied. C'était donc ça. C'était donc ça, le marchepied. Ah, c'est pas faute de t'avoir ça connu. Ça va, c'est hein. Qui ouais, c'est vrai, pour une fois, j'ai rien à dire. Bon, allez, triangle. Carré, c'est pouce, triangle. Dans ton nuque. T'as cru que t'étais... prendre... entre un jeu. Là, non, mais là, tu fais demi-tour, il éclate trois poteaux, ce bâtard. Ah, toi, tu fais même pas demi-tour et t'éclates des poteaux. C'est toi, j'éclate mon poteau. Merci, Léa Lalou. Roule, je te roule. La gueule. Triangle, carré, L2, R2. C'est quoi comme nom L2, de merde L2. Encore? Si on a appelé notre boîte de nuit triangle. Après, faut pas faire étonner, hein, y'a garde du corps Titeuf là-bas. De toute façon, Titeuf, il est garde du corps à plein d'endroits, je comprends pas. Franchement, ton mec, Titeuf, il sait même pas garder son corps, ta gueule. Allô, papa? T'es où? Je vais au triangle. Et tu m'as demandé l'autorisation. Quoi? Faut que je te demande l'autorisation? Papa, je crois que tu prends ton rôle de père un peu trop à cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas au triangle, tu vas pas au triangle. Comment ça, je vais pas au triangle? Bah si. C'est Titeuf, il m'a invité. Ah, merci, là, Andrew. Ouais, et moi, je me suis mis en bombe. Ah bah attends, vas-y, arrive. Oh, attends, j'appelle les vas-y. Filles. Quoi? 911. Non, vas-y, c'est bon. T'as dit que t'avais une bombe sur toi. Non, j'ai dit, je me suis mis en bombe. Oh, t'as dit que t'avais une bombe sur toi. Hop. Pourquoi un peu triste? 911. Ta gueule, arrête. 911. Je suis à deux doigts d'appeler. Hein. L'autre, il l'a sorti dans toutes les langues. 911. 911. On sait quoi qu'on s'achète des motos là? Bah, je t'avoue, on a même pas l'argent pour acheter une moto. Ta gueule. Tu sais qu'on a même pas l'argent pour acheter. Mais viens, une moto. Vas-y, faut qu'on travaille là. Faut qu'on devienne avocat. Allez, on va travailler. Non, là, faut qu'on aille au triangle. Hein. Vas-y. C'est bon, hein. Je viens de me mettre en bombe, c'est pas pour mettre mes vieilles chaussures là. La. Tout à l'heure, il y a un mec qui m'a dit tu travailles dans quoi? Je dis je te lave des voitures. Il m'a fait ouais, tu iras loin dans ta vie, tu sais, c'est moqué. Après, j'ai dit mais toi tu travailles dans quoi? Il m'a dit moi je suis riche. Je dis ouais, bof, pue la merde. C'est un enculé avec une canne. Oui. Ah, c'était bof. Tu sais c'était qui? Je sais pas, mais je lui ai dit un truc et il m'a dit je vais vous racheter. What? Merci Kizuk. Ah. Du coup, j'attends qu'il m'achète. Hein. Je vais envoyer mon PayPal. Ton PayPal.
J'ai tiré un truc. Vas-y, dis. Non, je peux pas. Pourquoi? Justifie-toi. Pourquoi? Parce que je peux pas faire cette blague dans un contexte. Ouais, moi ça passe. Attends, faut que j'aille voir si j'ai pas abîmé la voiture. Non, ça va. Franchement, ça va. Bon, par contre, vous commencez pas à faire la foule. Hein. La foule. On sent le RP de qualité. Ouais, tu sens le pain. En blanc. Pain de qualité. Moi, je la reconnais maintenant parce que quand je croisais la même voiture, à chaque fois, je me trompais. T'es con aussi. Voilà, paf, tu casses. T'as qu'à attacher ta mère au rétroviseur. Comme ça, tu la reconnaîtras. J'ai pas envie de parler. Bah ferme ta gueule. Je suis déçu hein, de tes blagues. Oh non, mais c'était pas une blague, ça aurait été stylé en vrai. Ah. Hop là, hop là, hop là. Hop là, hop, drift, hop. Oh, ça va, c'était au ralenti. C'est galère. Putain. C'est pas possible. Ça va, ouais, ça va. J'ai l'habitude. Ouais. À force, ça devient mon plat préféré. Le béton. Le bitume. Ouais. Putain, on a eu le droit à deux façons. Bah ouais. Bon, y a du monde à cette soirée là. Ouais, ouais, mais je surveille mon frère parce qu'il est mort là. Il est rapta. Bah dis-lui de venir au bar avec nous. Mais on lui donnera rien à boire, on lui donnera de l'eau, il doit être défoncé donc il va pas savoir. On fera semblant, c'est de la vodka, t'inquiète. Vas-y. Vous venez, on va au bar. Allez, venez, let's go. Viens, on va un petit peu voir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dites de l'heure l'entrée, s'il vous plaît. D'accord. Ouais, allez-y, rentrez. Ah, ça a changé. Excusez-moi, je veux rentrer. Allez-y, allez-y. Et il est pas là, Titeuf? Si, si, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, là. Tenez. Vous avez dit combien? 10 dollars. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Allez-y, madame, vous pouvez y aller. Merci. Passez une bonne soirée. Voici. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y. Hop, on écrase Ruquier. Non, mais je te jure. Quelle entrée fracassante, hein. Éclaté. Ah, y'a ton mec là. Oh putain, ta gueule. Eh, venez dans notre table. Thème de la soirée. Ah, je savais bien que j'avais un tatouage. Si vous voulez avoir, on a 20 bouteilles de whisky ici, hein. Vas-y, viens, dis-y. Ah ouais, mais ça va quoi, bien. J'ai l'impression ici. Yeah. Je te présente ma fille, Roxane. Salut, Roxane. Je me rappelle. C'est ma fille en face, là. Eh, mais attends, vous êtes pas la dame qui parlait au proviseur aussi avant-hier? Si, c'est à moi. Ah. Si, c'est elle qui a cassé la fenêtre. Non, c'est pas moi, c'est Titeuf. Merde, c'est elle. Putain, fallait pas le dire. C'est Titeuf. La relation toxique. Et Titeuf, il a cassé la... Ouais, dis-moi. T'as vu que ta fille, elle a mis des photos de ses fesses sur les murs ici? C'est pas moi. Ah, elle fait pas ça, c'est que si elle fait ça, je lui tire le dessus. Elle les a vendues sur son OnlyFans. OnlyFans et tu me demandes. Mais n'importe quoi, j'ai rien du tout, wesh. Ouais, c'est pour ça, faut me donner de l'argent. Bon, je vais m'asseoir avant toute chose, avant de faire les choquer, j'ai un short, ok? Voilà. Oh. Ok, j'ai compris, je m'assois plus. Putain, je me suis dit en disant que j'avais un short, ça allait mieux passer. Et tu peux croiser disons t'as un short, c'est bien, mais un short rouge... Ouais, bah y'avait plus d'autres couleurs au magasin. Ah, c'est la faute du magasin, là. Tonton, dis-lui quelque chose, j'en ai marre. Du quoi? C'est à qui? C'est ton père et sa mère, ça? Non, y a mon père et ma mère, elle est pas là. Il avait raison, hein. Oh non? Il a dit que t'allais tourner comme une toupie Playblade. Mais j'ai pas tourné du tout, j'ai jamais trempé ma nouille. Putain, je lag, là, pourquoi ça fait ça? Mais t'as... Quoi? Tranquille, Chica.
Bah au moins je suis honnête. J'aurais trempé Manu, je l'aurais dit. On parle pas de ça. On parle pas ça. Quoi? On parle pas de ça. Disons qu'on t'a entendu parler, quoi. Hein? Disons qu'on t'a entendu parler alors qu'on n'aurait pas genre, tu vois. Tu as réfléchi à haute voix, tu vois. Attends, mais il y a un problème là. Attends, non, mais je te jure que non pourtant. Mais je vois la vie en flou là. Je vois la vie, pas mal là. Là, ça va pas là. C'est qui le man avec un chapeau moulant là? Monsieur Dupont. Ah, mais c'est pas vous qui avez dit que j'avais pas d'avenir tout à l'heure? Oui, oui, vous êtes laveuse auto. Alors. Oui, c'est ça, et vous, vous êtes juste un riche. Exactement, ouais, investisseur, patron. Ouais, comme je disais, pas ouf quoi. Oh, Rukia! Oh, salut, ça va? J'aime trop ta robe, t'es trop belle. Oui, merci. Vendeur de montres de luxe. Après, on choisit le métier qu'on veut. Merci. Ouais, non, vous avez monsieur, pas choisi, vous c'est papa. Monsieur, vous êtes tellement beau, par contre, c'est incroyable. Oui, merci. Oui, t'es mal. Heureusement t'as pas ma robe, mon coco. Comment je m'assois? Heureusement t'as pas ma robe. Je suis très à l'aise, ça se voit, non? Ça va, je peux vous servir, messieurs, dames. Désolé, Roxane, peut-être que tu voulais... Ouais, t'as pas mis le gold... Maintenant t'es serveur, t'es plus garde du corps. Mais n'importe quoi. Il est garde de verre. Choco, vous travaillez dans quoi? Ouais, je suis le propriétaire du Witch Shop qui a... Tu feras gaffe, t'as un plateau sous la main. C'est de la CBD, monsieur. Ah, ok, pas de soucis, pas de soucis. Amusez-vous. J'ai pas trop de soucis avec la soirée. Ramenez petit œuf à la maison. Moi, je suis meuf. Vous l'investissez. Vous l'investissez. Attends, pourquoi je cherche. Putain, vous êtes arraché, c'est ça? Écarte-toi là. Écarte-toi là. Vas-y, écarte-toi là. Oh, Inata, viens voir. Touche-lui le cul, Abès. Abaisse. Si tu vas derrière lui et que tu lui touches le cul, je te donne $100. Parole d'honneur. Je vois ça. Oh là, pour l'instant, ça va. J'ai pas vraiment besoin de ça. Va, les gars, ou quoi? D'ailleurs, si jamais vous avez des soucis ça va, avec un client, un fournisseur, un casse-couille, oh, comment il fait le pouce là? Comme le dites, je m'en occupe. Mais quoi, t'as dit quoi, hein? Vous vous occupez de quelle manière? lui comprendre qu'il faut respecter. Ah, désolé, j'ai cru que. Tu te défonces en fait, c'est ça? Mais non, mais putain. Mon véritable frère d'une autre mère. C'est très bien que je ferai jamais ça. Même les clients qu'on a. On est pas frère, toi et moi, touche pas de mon cul. Je suis bourré, j'ai trop bu. Mais quand ça sera un patron qui va essayer de racheter votre entreprise et qui va faire. Tu veux une bouteille? Tu veux une bouteille? Appelle-moi encore trou du cul. La vie de ma mère, je veux rien faire, c'est bon? Ouais, mais. Ok, c'est bien. Vous savez. Vous savez, monsieur Dupont. Monsieur Dupont, vous ouais, savez. Ouais, que et alors, t'es jaloux? Ouais, je suis un trou du cul. Et. La meilleure weed, elle se fait. Vas-y, change de grâce à moi que t'es. Eh, n'oublie pas, c'est grâce à moi que t'existes. N'oublie pas, DJ Clochard. Ah ouais, hein? Exactement. N'oublie pas, c'est grâce à moi que tu viens, monsieur Dupont. Mais attends, c'est moi qui ai mis l'ambiance. Je suppose de Jamaïque. Ah, je sais pas. Tu vas faire quoi, toi? Mais attends, tu vas faire quoi, toi? Vous la faites apporter de là-bas. On l'a fait importer de là. En fait, on l'a fait pas importer de là-bas, on fait importer le savoir-faire de là-bas. J'avoue, c'est grâce à toi que je suis connu. Hein, voilà. On peut se voir après. Je veux pas que je te pépon aussi. Mais je vous invite à passer. Vas-y, bah, tout de suite, vas-y, je suis chaud. La plante pendant qu'elle pousse. Tout est fait sous sphère, monsieur Dupont. Ils sont déchirés. Ouais. Ah. Vous étouffez la plante avec de l'air pur. Abaisse, laisse-la tranquille. Oh non, non, c'est pire. Comment ça, j'ai déjà. Ouais. Dis quelqu'un, t'as déjà quelqu'un. Ouais. C'est bon pour vous. Laisse ma petite soeur tranquille. Avec plaisir. Vas-y, lâchez-moi la grappe là. Généralement, on ouvre à partir de 21h jusqu'à 22h. Après, on fait sur vos demandes selon les clients. Va bouillir un aspirateur si tu veux. C'est 35, 66, 45. Tiens, Bouillaf, Titeuf, il est grave. Oh, le bâtard. Je vais prendre un verre de vodka, parce que là... Comment? Alors, triple... Vous êtes en train de parler, c'est parfois. Arrêtez, qui c'est à moi, madame? Oh, putain. Tous. Tous, là, autour d'ici. Ah, parlez-moi fort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Titeuf, tu peux parler moins fort, s'il te plaît, on t'entend partout. La suite, monsieur Choco. 66, 45. Mais non, mais c'est... Non, c'est faux. Tu peux noter aussi... Mais il est où? Je paye pour lui, Yeah, bien sûr. Mais moi je connais pas trop l'Iverticity, c'est légal ici de fumer? En fait on a... Mais moi je suis choqué, de là où je viens c'est interdit. Hein. Non en fait, il faut que vous compreniez que c'est pas de la weed, c'est pas de la weed pure. En fait c'est... Mais vous foutez quoi là? Tiens, se lève ta meuf. Quoi? Mais quoi? Arrête, tu tiens. Non mais c'est vraiment un chien. Non c'est pas ma mouf.
Je suis pas sa meuf. Je vais vraiment. Merci. Je sais pas, tu m'as donné quoi, mais merci. Mais je bois. Mais tu bois tout seul, Trévis. C'est pas grave. Mais faut pas boire seul. Attends. S'il vous plaît. Merci Monjo, oui. Merci Exu. Merci Leandro, bienvenue. C'est James, c'est James. Non, c'est pas James. Ah, okay. Si, c'est James. Il y a plus d'eau, il y a que du. Oui, ça va, je te sers quoi à boire? Sers-nous deux whisky. Oh. Ok, j'arrive. Ouais, encore merci. Une, ouais, ouais. Ça va, Roy? Ouais, ça va. Salut Monjo. Ça va mieux? Ouais, ça va. Putain. Désolé. Putain, vraiment, le gaz kéké, il t'a fait muet et tout. Ouais. $40, s'il te plaît. Nickel la gorge. Attends. Et les docteurs, ils t'ont dit que ça allait être... Tu m'as dit combien, Kara, pardon? 40, s'il te plaît. Bah, attends, c'est docteur de merde. Ouais, j'ai demandé de l'aide à un docteur, il m'a dit, attends, le champ. Est-ce qu'il t'arrive, toi? Non, c'est parce que t'as un chapeau de paille. Mais toi, moi, la je crois que personne n'y avait la ref. Non, j'ai pas la ref là. Pour, j'ai pour grave le seum, y'a personne qui a la ref. Prends pour une pièce. La tête de OMG, j'ai trop le seum. Ah, merci, merci. T'inquiète, t'inquiète. Mon rattrapage. La bouteille de champagne, elle est pour moi, la bouteille de champagne. Merci. Ce soir, on claque, ce soir, on vit. Bonne soirée. Ce soir, c'est comme ça, ce soir. Bonsoir, je vous sers quelque chose? Ouais, une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Ça serait moins simple. On a plus de bouteille de champagne. Comment ça, vous avez Alors, on a plus de bouteille de champagne. On doit en recommander. Bah, pas maintenant, quoi. On peut pas. Vous avez pas un mec à appeler qui vous ravitaille? Quoi, quoi? C'est pas moi qui ai le numéro et la personne qui s'en charge, bah, elle est occupée. T'es où, whisky, là? Mais c'est l'odeur d'un homme, okay, d'un vrai. Désolé, monsieur. Non, non, j'ai pas envie. Tu veux une bouteille? Tu veux une bouteille? T'as soif? J'hésitais à aller me coucher ou pas. Vas-y, vas-y. Non, mais. Les gars, il vous faut quelque chose, quoi. Vas-y, il faut quelque chose. Non, non. Vous me dites quoi que ce soit, vous... Moi j'ai rien à faire demain, mais je sais pas. Demain? Non, je dis j'ai rien à faire demain, mais j'hésite à aller me coucher ou pas. Bah reste, reste, y a les meufs et tout, bonne ambiance. Ah là là, Trévis. Il est bon le whisky. Ok, ok. Ah, franchement il est bien. Il y a plus whisky, attends. Si je l'ai vu. Skinny, va voir le mec là-bas dans la barre. Non, Haru, pas par là, pas par là. Mais non, mais t'as pas été assez vif, Haru. Ah, je peux pas danser. Attends, viens. Mais viens, Trévis. Ah, c'est votre frère. Ah, je suis désolé, mais c'est pas autorisé ce genre de choses. Ah, ouais, ouais. Mon frère, je vais péter un câble. Avec la sacoche. Là-bas, là-bas, là-bas. Ah, d'accord, ok. Et lui, ah, il est un peu perturbateur. Noire, c'est un pote à mon frère. Ouais, bah du coup, c'est pas une bonne fréquentation, je pense. Bonsoir. Non, mais... Oula, 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 oula. Les toilettes, c'est par là-bas, monsieur. Non, j'ai pas envie de venir, je viens juste de roter. Mais lâche-moi, t'es pas ma mère. Non, mais vous allez laisser tranquille, Lizo. Ah, je sais pas, j'ai cru qu'il y avait un Dupont et un autre Dupont. J'ai demandé la tranquillité, s'il vous plaît. Eh, yeah, man, ça va quoi, fiston? C'était bien l'école aujourd'hui, t'as été? Il se tape à ma droite, s'il vous plaît. C'est vous. Envoie-moi ton hume, je crois que t'as pas vu. Ça va, les filles? Du coup, vous disiez, madame, monsieur, que vous voulez. C'est compliqué de parler ici. Non, bien, baba. Mais sa crosse, j'ai remarqué, comment ça les sacs? Ah oui, les... ouais, j'aime bien lui mettre des sacs à main. Vas-y, vas-y, du coup. Donc voilà, on va ouvrir une antenne à Liberty City dans l'événementiel. Et du coup, là, je suis arrivée il y a quelques jours et je commence à prendre les contacts des patrons, etc., des magasins et des entreprises pour pouvoir bah, avoir une liste de contacts, quoi, pour faire les sponsors. Avec plaisir, baba. T'aurais pas dû faire autant, tiens, je te donne. Et dégage-toi là, toi. Oh, c'est comment là, on fait un loup-garou? Vous pouvez laisser la jeune dame parler, s'il vous plaît, sa fille. Le village s'endort. Mais t'as cru qu'on était dans une chicha ou quoi, frère? Vas-y, va là-bas, là, frère. Il parle de loup-garou. Tu dis quoi, tu te. Non, ça va, ça dépend de la taille. La prochaine fois, tu vas venir me proposer un calou de Adalia ou quoi, frère? Tu veux quoi, Blue Moon? Hawaii, Love 66. tu veux charbon naturel ou? Bouge il est trop bien renseigné, c'est louche. Casse les couilles, des sauces, des trucs comme ça, c'est bon. Va dire, vous voulez un tacos? On en fait en bas dans la cuisine. De ouf, il va nous dire canette. Et du coup, t'as déjà trouvé.
T'as déjà trouvé des numéros et t'as dit on. Ça veut dire que tu es pas toute seule dans le. Bah, disons qu'en fait, moi, j'ai travaillé dans une. J'ai travaillé dans une agence à Los Santos. Ça appartient à une firme nationale dans les États-Unis. Et du coup, c'est moi, je suis juste envoyée comme ça pour ouvrir l'agence. Tu vois. Je vais être gérante, mais je suis pas patron. Il y a les patrons, il est au-dessus de moi. Tu vois. Tu es un émissaire, quoi. J'ai une barre de recherche. Voilà. Où ça, hold okay. Animation. Ah, c'est bien. Ah oui, j'ai recherche. Là. Putain, je suis teubée. Du coup, voilà. Et du coup, si je tape. Voilà. Tu peux, oui. Déjà, des événements. Déjà, je prends la température auprès des patrons pour savoir un peu ce qu'ils ont déjà fait, à ce à quoi ils ont déjà participé. Et s'ils ont des envies particulières, tu as des idées qu'ils peuvent pas réaliser eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le temps ou tu vois, c'est pas leur manière, simplement. Oui, du coup, je me rends. Merci, Al, du coup. Merci, Malteser, pour ton raid. Merci beaucoup. Merci, comment ça va? Ouais, les amis, bonne soirée, tout ça, c'est bon? Manque de rien. Tranquille, vas-y, lourd. Enjoy! Du coup, voilà. Ok, c'est sympa, c'est sympa. Mais c'est quoi le nom de la structure, s'il y en a un? Merci, Mizushidora et Gon, bienvenue. Ça va, tu t'en sors? Bonjour madame, vous allez bien les filles? Super, on passe un agréable moment, vous voulez un verre? Je vous l'offre. Moi, et vous restez entre vous en plus, c'est pas beau, elle est pas belle la vie ça. Vodka s'il te plaît. Vas-y. Non je te jure, j'en ai marre de courir après. Ils sont où là? Serveuse. J'en sais rien, j'en ai marre. Ils sont dehors non? J'en sais rien. Je m'appelle Leïla mais bon... J'essaye de... À peine je discute avec des gens, ils foutent le bordel. Pour les deux. Bon, au moins c'est pas toi qui le fais, c'est pas ta faute. Oui mais bon c'est mon frère quoi. Ouais c'est sûr. Et vous êtes venus ici à deux? Genre il n'y a pas vos mon parents frère, lui, ou... Non on est que deux mais en fait il est venu il y a quelques mois. Et puis on a dit vas-y viens. Je fais je sais pas et tout. Puis au final j'ai dit vas-y. Quand il te répond comme ça, dis-lui bien que tu t'appelles. Ce truc qui me fait chier, c'est que je suis obligée de repasser mes diplômes parce que c'est... mes diplômes sont pas valables. Tes diplômes aussi. De quoi? C'est pas de médecine. Ah ouais, ok. Ah, moi je suis en études d'avocate. Bah non. Je sais, j'ai entendu ce que tu sais pas. À faire et après, ah oui, bah ouais. Ah, vous parlez de quoi là? De mes études à l'école. Et tu vas faire quoi comme études? Du coup, mes médecins, apparemment. Excusez-moi, le monsieur qui est derrière vous vous a offert un verre, donc du coup, oui. Deux verres de comment ça il a offert un verre à qui? Il a offert un verre à qui? Bah à vous deux. Ouais. Ah à moi et ma sœur? Non, à moi et ta sœur. Deux femmes. Ah. Désolé mais. Il a faim le débile hein. Non bah écoutez regardez moi je vous offre un verre tenez. Ah ça me voilà. Fait plaisir madame. Merci. C'est pas un verre d'alcool hein? Non. Ah, la limonade. C'est bien la limonade. Franchement ouais je sirote ça bien. Là. Ouais, et je pense bien. Que vous avez assez bu, donc c'est, ça sera pas... Ouais, j'ai assez bu, mais je veux pas m'arrêter pour autant, hein, vous savez. Ça va être un peu trop. Trop tôt pour être bourré à cette heure-ci, quand même. Ouais, il est un peu 2h du mat, ma femme. Tu travailles plus? Oui, mais même... Non, arrête de contredire les dames, Alexa, tu sais très bien qu'on doit jamais contredire les dames. Cordélia, merci. Qu'est-ce que tu racontes? J'osais pas le dire. Alexa, t'as déjà contredit maman? Serveuse, tu me vas aussi à la table, là-bas, là. T'as déjà contredit maman, même? Ah, vas-y, c'est pas qu'il raconte, parle lui, mais c'est pas grave. Commence pas, arrête. C'est un sale maquillage, là. Ouais, il a pas la politesse à tous les étages. Mais comment ça, tout trop? J'ai du blush, et j'ai du rose sur les yeux. Bah, le monsieur qui te crie serveuse comme si t'étais son chien. Non, mais je rêve, c'est nouveau ça. Hein. J'ai toujours travaillé ici et on m'a jamais appelé comme ça. Moi, si on m'appelle comme ça. La table là-bas, ils ont commandé une bouteille de champagne. C'est comme ça qu'on parle aux femmes. Non, comme ça. Vas-y. Non, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Attends, c'est quoi ton prénom? Attends. Dis-moi. Non, pas toi, elle. C'est serveuse. Non, c'est pas serveuse. C'est Leïla. Moi, je vais pas servir Leïla. Sans ma serveuse. Va servir, là, dépêche-toi. Quoi? Comment tu parles, dis donc? Moi, je répète juste ce que le patron, il dit, arrête. Madame. Le patron? Ah, donc, donc t'es son chien, quoi. Ta grosse tête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens de te faire bolos par ta sœur, je dis ça comme ça. Mais on n'en rajoute pas, je te... Pardon. T'arrêtes tes bêtises, là, stop. Ouais, j'arrête. Hey, Cliver, je peux te parler? Ouais, bien sûr, Alexei. Juste à excuse-moi pour ça. Alexei, d'ailleurs, attends. Mais comment? Compliqué, hein? Excuse-moi. Je t'amuser autre t'inquiète, gros, merci. Ouais, Roy, dis-moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'inquiète, je t'ai je peux pas aller dormir. Merci, Inès, je suis bienvenue. Merci, Nitro. Ça, tout de suite. Et non, dans ce cas-là, je serais déjà morte. Non, justement, c'est plus ça le problème. Qu'est-ce qui arrive là?
j'en sais rien. Régale-toi. Tu veux plus? Une fois, j'ai fait du saut. Ça va? Ok, c'est bien. T'inquiète. Les gens, ils sont bizarres ce soir. Ils sont tous déchirés, j'en sais rien. Non, je sais pas, mais il y en a, ils sont fait. Une gazelle à l'université aussi, c'est peut-être ça, non? Ouais, c'est peut-être ça. Mais bon, moi, je suis pas chelou et j'y étais, tu vois. Moi, je suis bien contente au final d'avoir eu du mal à sortir du lit. Oh, là, c'est là. Tu m'étonnes. C'est deux soirs dessus, je t'avoue. Ah, en carnaval ou quoi, là? Tiens, tu vais te présenter ma famille. Tu me fais présenter la tienne. Carnaval ou quoi, là? C'est quoi? Regarde, viens. Une meuf qui... Ah, regarde, écoute. Ça. Ramis, je dois m'occuper. C'est mon oncle. Et ça, c'est ma mère. Eh, messieurs, on est au carnaval ou quoi, là? Présente ma nouvelle copine. T'es qui, toi? Elle va le fidéliser. Moi, je suis Alex. Et son frère. Arrête. T'es quel genre de... T'es un clown, t'es quoi? Si, alors... Non, non, moi, je suis pas un clown. Je suis un mec normal, mais il est pas sobre. Je suis désolé, c'est mon frère. Ça, on est des clowns. Regarde. Il y a ta couleur de cheveux et accordée à ta cravate. Bah non, espèce de daltonien. C'est rouge et orange, couillon. Ça, pour le coup, il a raison. C'est rouge et rouge, ouais. Non, c'est orange et rouge. Tu t'as vu, ils ont besoin vraiment, de quoi là-bas hein. Alexa, arrête. Et toi, la vie de ma mère que je ne vais pas les servir. Non, je ne vais pas les servir. C'est bon. Je t'ai dit, en fait, je t'ai dit trois fois que c'était une bouteille de champagne. Non, non, je ne vais pas le faire. Là, tu ouais, vois, là, demande à Titeuf, il va le faire. Demande à Keras. Tu sais, ça fait un fou, ça. Tu te pétis, tu sais. De quoi? Je suis désolé. Il n'a pas payé à bouffer des cacahuètes. Non, mais il n'y a pas à être désolé. Il n'y a pas à parler mal, en fait. Non, mais elle n'est pas payée à bouffer des cacahuètes, t'as vu? Ça veut dire... Mais là, pourquoi t'es énervé? Attends, c'est une blague. Non, elle est là, la même mec, je rigole, c'est une blague. Depuis tout à l'heure, c'est un prank. C'est un petit prank. Ah, c'est un gage encore. Putain, ça m'a fait peur. Non, par contre, c'est moi-même. D'un coup, en fait, ça m'a fait rire. Je voulais t'énerver. C'était trop drôle, en tout cas. Franchement, j'ai grave. Bah ouais, parce que tu t'es énervé, je t'ai mis hors de toi, et voilà quoi. Non, pas du tout encore. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, du coup, tu vas les servir, du coup, David? Reste pas avec ces deux hommes là. Mais papa, je t'écoute, je traîne avec personne. Ta fille, c'est ta fille. Ouais, je suis sa fille. Je jure, c'est ta fille? Ouais, je suis sa fille. Mais pourquoi tu veux que je traîne avec personne aussi? Choco, laisse-la entre bonnes mains, la petite fille, cousin. Ah, pas t'as quel âge, copine? 21. La majorité. Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? T'es sûr que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Bah, ça va alors, si elle te plaît pas, c'est bon, je suis bien. Je vais aller demander au serveur, au barmaid là-bas. Il connaît la patronne, si elle est dans le coin, comme ça, j'ai pas lui parler. Tu veux parler au patron? Attends, viens, je te mais présente. Mais oui, va encore. La patronne. J'avoue, y'a pas de musique là. T'es en train de pécho qui, toi? Ah, tout à l'heure. Je pécho personne. Pas de soucis, passez votre. Je sais pas, j'ai parlé avec des gens et papa, il s'est affolé. Monsieur Dupont, vous êtes célibataire? Oui. Sûrement pas. Tu peux appeler l'île Déo. Ah, Leïla. Bien sûr. Leïla. Tu peux appeler l'île des Villoirs, s'il te plaît. Un fusti, moi. Parce que c'est tout doux. Parce que. Parler avec le patron. Un fusti, on n'a pas de d'Aistu, monsieur. Ah. Je peux vous servir un jus d'orange si vous voulez. Ou... Non, bah une canette, alors une petite binouze. C'est quoi ton prénom? Okay, c'est Choco. Ok, et vous, monsieur? Oui. Tu dis que j'ai un cadeau pour lui. Ah, mais il a bien, je l'ai même pas. Il m'a vite. Il y a le mec là. Bah, il t'appelle. Voilà. Ah oui, je l'ai vu. Tiens, David, tiens, je t'en vous satisfaisiez tout seul. Tiens, veut parler avec la patronne. La demoiselle veut parler avec le patron. Comment s'appelle ta copine? Là, tu la vois pas, elle est là, frère. Elle? Ah, vas-y, je vous laisse. Hein. Quoi? Lucas, tu parles de moi, quoi? Ah ouais. Il a essayé de me faire te pécho. Non, mais ça va pas, la tête. Alors, je vous explique. Il déforme tous les propos. Il m'a demandé si j'étais célibataire, je lui ai répondu que oui. Il m'a dit, d'accord. J'ai mon ami qui est célibataire. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressé. Par contre, vous avez un beau petit cul. Mais c'est quoi, pourquoi tout le monde est parti comme ça là? Il m'a dit, je ne suis intéressé ni par les hommes ni par les femmes. Je lui ai dit, du coup, vous êtes donc pichère. Il m'a dit, non, je ne suis juste pas intéressé. Après, vous êtes arrivé, il a dit que je lui ai dit que j'avais mon petit cul. Qui a dit ça? Moi. Attends, quoi? Moi, j'ai dit ça? Non, lui, il a dit ça. Moi, j'ai dit au monsieur qui est là qu'il avait un beau petit cul. Ah oui. Mais lui, il a dit qu'il a cru que j'avais dit à la dame qui est là qu'elle avait un beau petit cul. Ah, ça va. Ah, moi, je suis d'accord. C'est vrai que James, il a un beau cul. Hein. Franchement, j'ai beaucoup. Je m'attends à pas grand-chose. Ah, merci, Kaiden. Il a vraiment dit ça. De quoi? Oh, tu sais, j'ai l'habitude, on me le dit souvent. Il a déjà envie de votre tenue.
je m'attends pas à grand chose. Quoi? Qui a dit ça à qui? Ah ouais, il descend par là-bas à deux. Putain, hey, aujourd'hui la journée elle était incroyable, j'ai failli mourir en deux jours. Regarde, regarde, il y a un qui arrive. T'imagines ou pas? Où ça? Failli mourir 4 fois, Choco. Oh, la défaite de famille. À quoi? Ça y est, je les ai vus. Faire la fête plutôt que faire le business. Hein. Ça va ou quoi, les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne l'ai pas vu. Il y a tout le monde qui gagne. L'ado. Et je pense, je vais voir le business. On va essayer de se calmer. J'espère qu'il te fait rentrer gratuit. Hein. Vas-y, viens, viens. Non. C'est normal qu'il me fasse payer mon alcool, hein? Il lui rentre juste dedans gratuitement, c'est tout. Vas-y, voilà. Vas-y, ta gueule. Bah, c'est déjà pas mal, hein? Putain. C'est trop, c'est trop. Pompa. Qu'est-ce qu'il y a? Pompa, bah, si, t'as le dot quand même. Non. Oh, rien, rien, rien. Oh putain. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Ah, bah, attends, viens, on va le voir. Oh putain. Mais non, mais c'est faux, c'est faux, c'est et pas vrai. C'est un vrai, mec c'est qui a. Ça. Bon courage. Merci. Mais c'est pas vrai, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Bah,